beaucoup, Caught by Now. Merci beaucoup pour ton cinquième mois. Bah, what the fuck? Attendez, what the fuck? Attendez, là, s'il commence à y avoir des bugs aussi buggés que Spotify, je pète un câble. C'est pas du tout cette chanson qui était prévue. C'est pas du tout cette chanson qui était prévue. Je suis chafouin. Je suis chafouin de ouf. C'est pas normal. L'ordinateur ne fonctionne plus comme il se doit. Mais c'est pas possible, pourquoi il a mis deux fois ça? Même Spotify bug. Allez, let's go. Tout va bien les amis. Excellent. C'est l'heure du dasagne. C'est l'heure du dasagne. C'est l'heure du dasagne. L'heure du dasagne sur Twitch, c'est l'heure du dasagne. Parce qu'en fait, il y a pas le son d'OBS. C'est triste. C'est très triste ce qui se passe. C'est très très triste ce qui se passe. C'est très dur ce qui m'arrive. Et Spotify qui marche plus. Oh là là. Oh. Attendez, on va essayer de se remettre dans l'ambiance. Quelle entrée incroyable. Bonsoir les amis, regardez. C'est l'heure du dasagne. Comment allez-vous les amis? L'ordinateur est complètement cassé. J'espère que vous allez bien quand même malgré tout. Merci Stan Verju. Bébé, t'as pas un numéro? Ok alors, donne-moi ton numéro. Yo yo yo. Et ensuite j'aurai ton numéro. Et après j'appelle ton numéro. Pip pip pip, c'est le bruit du téléphone quand j'appuie sur les touches pour faire ton numéro. Allô, c'est qui? C'est moi, et tu sais quoi? Je t'emmène avec moi. Merci beaucoup Freezeman pour ton cinquième mois. Comment ça va les amis? Let's go. C'est tout à fait pendresse, les amis. All night long. C'est bien sûr pendresse, ce génie. Yeah. Comment ça va, les amis? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Salut Flate, salut Bossman. Salut Barbara, comment ça va? Bah le début est catastrophique du live tout simplement. J'ai testé une dizaine de fois mon setup parce que mon setup a été explosé par la vie. Je suis foldé comme tu peux le voir. Et puis malgré tous les tests, ça a encore bugué. Et le pire dans tout ça, c'est que cet objet n'est pas dans l'ordinateur. Bienvenue, bonsoir, bienvenue au téléachat. Première pièce, oh une non, 3060 Ti, bien sûr, toute neuve. Voilà, je l'achète pour tout simplement la prendre en main, mais ne pas l'utiliser dans l'ordinateur. Début des enchères, 3€. C'est parti, surenchérissez pour la récupérer, bien sûr. La cheminée a frisé. Même la cheminée, elle marche pas. C'est un très vieux Mac. Mec, j'arrive pas à voir ce foutu pack Figma. J'arrive. Rien qui va. Même celui-là, il marche plus. Même cheminée sur YouTube. Attendez.
Ouais, j'étais obligé de mettre une vidéo en local. Une vidéo en local, mais même la cheminée sur YouTube, elle marche pas. Mais c'est l'enfer, ma vie, là. Ma vie est un enfer. Et vous, comment ça va? Alors, on va parler de plein de choses. C'est la musique des Sims, tout à fait. YouTube, download de la cheminée, lui. Mais ouais, mais laissez tomber, y'a rien qui marche ce soir. C'est tout cassé, regardez, c'est triste. Regardez, ça me rend vraiment triste. Je sais pas. Je suis sûr que si je quitte OBS, je le rallume, c'est bon. Hein. Mais bon. Bon exercice de maths à toi, Amiral. Alors, est-ce que vous voulez... Alors, on a plein de choses à raconter. Voici ce que je vous propose. Je vais vous montrer l'écran tout de suite. Hop. Ça a marché, ça? Oh, putain. Ok. Donc, le programme de la soirée. On va faire le rewind 2021 de plein de choses dans le design, d'accord? La première chose, ce sera le design tools. Donc, tous les outils. Un petit sondage sur tous les outils. Le rewind 2021 des emojis aussi. Et les emojis 2022, même si on les avait déjà vus à la mi-année, mais ça fait toujours rire de les revoir ensemble. On va faire le rewind de l'Apple Store aussi, de l'App Store, désolé, des applis. Et on va parler de la nouvelle trend de design pour 2022, d'accord? Mais avant tout ça, il y a plein de story time. Il y a le booster rituel, ma nouvelle vidéo, l'unboxing du t-shirt Figma, qui est juste en bas, je vais aller chercher, le story time de la 3060 Ti, et une dernière mauvaise nouvelle, car tout ce que vous avez vu de cassé depuis le début du live ne représente pas du tout tout ce qui est cassé, parce que j'ai encore cassé autre chose il y a deux jours et je vais vous le présenter. Voilà, c'est une dernière mauvaise nouvelle. On commence par quoi? Déjà, on va commencer par tweeter et je vais quand même vous présenter le décor de Noël, hein, qui a été extrêmement bien travaillé par toutes les équipes. On peut voir ici des boules sur Hagrid et un petit sympa en papier. J'espère que vous appréciez. Pour les plus érudits, vous aurez vu aussi que le sol est blanc, car il est doté d'un tapis moelleux. Voilà. Est-ce que vous l'aviez remarqué? Salut Boulinosaur. Alors je vais unboxer le t-shirt Figma alors qu'il est déjà ouvert, mais je l'ai pas regardé plus que ça. T'inquiète Ted, je te raconterai comment on fait pour l'avoir. C'est impossible. C'est un tapis ou un matelas? Je crois que c'est bien un tapis. Ou un matelas vite fait confortable. La guirlande sur le micro, en effet, bien qu'elle soit tout le temps là, mais voilà. Bon, en tout cas, désolé de ne pas avoir été là hier. Beaucoup de soucis, beaucoup de rendez-vous perso, plus l'ordi tout cassé. J'ai préféré décaler pour faire un petit live aujourd'hui. Il y aura également un live mercredi et un live vendredi. D'ailleurs, on peut faire une petite virgule tout de suite en parlant de la programmation, comme ça ce sera fait. La programmation, alors elle est où? Parce que j'en ai tweeté des conneries. Alors voilà, elle est ici. Donc ce soir on fait le rewind 2021 du design comme prévu. Merci Martin pour ce zoom, ça me fait plaisir quand il y a un truc qui marche. Yes, ça fonctionne. Comment tu as commencé à te créer un réseau de clients? Oula, Yosoya, déjà moi je suis en CDI. Et un seul jour en freelance, et mon réseau de clients il vient juste de mon activité sur internet aujourd'hui. Ouais, je suis sur Windows 98, ouais. Donc ce soir on fait les actus et le rewind de 2021. Demain on fait une soirée design et U-review. En fait, soirée design, j'avais pas eu la confirmation, mais demain je serai bien en stream avec Hardisk pour faire les actus avec Hardisk. Pour ceux qui ont suivi le live de mercredi dernier, on s'est dit qu'on essaierait de savoir en vocal une demi-heure, une heure tous les mercredis soirs pour partager un petit, des petits débats sur les actus. Voilà. Et vendredi matin, enfin en très classique, on fera du télétra live tous ensemble dès le matin. Voilà. Et non, les lasagnes, je vous le colle tout de suite. Ce sera pas en décembre. Parce que tout simplement en décembre, bah c'est Noël et tout. Ensuite, les lasagnes, ce sera pas en janvier. C'est pourquoi ce sera pas en janvier? Parce que Hardisk sera normalement aux États-Unis pour couvrir le salon qui s'appelle, vous le savez tous et je l'ai sur le bout de la langue, le salon il s'appelle, c'est pas le NAB, non c'est le CES, exactement Stan, bien joué. Donc Hardisk va couvrir normalement, si tout se passe bien, Covidement parlant,
va couvrir le CES, comme tous les ans d'habitude. Et comment dirais-je, il ne pourra pas faire de lasagne à ce moment-là. Donc ce sera après janvier. Mais ça n'empêche pas que le sub-goal a été atteint et que c'est une tâche que je dois faire dans l'année 2022 avec Hard Disk. Ne vous inquiétez pas. J'y pense maintenant, mais je vais vous reveal le sub-goal suivant. Et je suis en train de le créer parce que j'ai pas eu le temps de le créer aujourd'hui. J'ai compris, je vais t'inviter pour en faire avant. D'ailleurs, envoie-moi un clip. Envoie un clip de ton truc lasagne, on va le regarder quand même. C'est un clip, juste un petit clip de 30 secondes lasagnable. Bien de voir ce live. Oui, moi aussi, j'ai hâte de voir ce que ça va faire. Ça travaille sur quoi vendredi? Lucas, je vais bosser, je vais terminer les icônes normalement, mais je vais sûrement le coupler à un autre projet. Mais je sais pas encore. Honnêtement, je suis assez en flux tendu en ce moment, donc je sais pas encore, mais ce sera fait. Et vendredi après, j'ai un gros tournage, donc je vais voir comment je peux m'organiser aussi. Salut Will, au fait, je t'ai pas dit bonjour. Alors, le sub-goal de novembre est terminé, il est validé. On va créer le prochain sub-goal ensemble. Je vais vous reveal, on va créer ça ensemble. Je me mets juste les petits onglets là. Tac. Je vous montre pas le back-office, mais je vais vous reveal le sub-goal. Il faut juste que je trouve, voilà, dans stream statistiques de la chaîne, je vais regarder le nombre de subs de décembre pour pas tricher. Donc on se met sur le mois de décembre. En décembre, ok, 58. Donc nouveau goal, décembre. Hop, je suis en train de taper le nom, vous allez le voir. Hop, attention, goal amount. Donc on monte d'un cran et il y a déjà 58 subs. Et ça se termine le 12-31 2021. Sub goal start. Ok, le sub goal a été mis à jour. Et je peux vous le révéler tout de suite. C'est quoi ce remix de Blink? C'est écrit dans le coin. Tu peux regarder, c'est écrit juste là. Je baisse un peu d'air. Alors, salut Martinotor. Avec le Covid, il est certain d'aller aux USA? Eh bien non, The Christophe, c'est pour ça que peut-être, s'il y a fort Covid, vous pourriez avoir un sub-goal lasagne en janvier. Donc, consolons-nous comme on peut. Si Hard Disk ne va pas au CES, nous ferons une lasagne. J'ai failli l'appeler Hagrid au lieu de Hard Disk. J'ai failli dire Hagrid Hard Disk. Il y a trop moyen de se tromper, non? Non, c'est pas Phasmophobia. Vous voulez que je vous reveal le prochain sub-goal? Comment je pourrais vous le reveal? En fait, là, je l'ai écrit dans mon système, mais... Ah, je peux vous afficher la source à l'écran ici. Je vous le reveal ici à l'écran? Je vous affiche la source? Non, bête. Tu veux que je bête quoi, Martin? Heureux de tomber sur toi en live. Heureux de que tu vois ça, play. On fait un bet sur quoi aussi? Qu'est-ce que sera le sub-goal? Mais c'est compliqué. Non, je vous le reveal, je vous le reveal. Alors, après moult réflexions avec toute mon équipe, et avec l'ordi qui va casser, ça tu l'as bien colle, je vais vous montrer le sub-goal. Bougez pas, vous êtes prêts? Fais un sondage de 3 propositions. Non, mais si pour faire un sondage de 3 propositions, faudrait-il encore que j'ai 3 idées en tête? Un trailer. Je sais pas, j'ai pas de musique de trailer, moi. Je voulais une suspense musique. Non, allez, je vous le reveal. On a trop de trucs à faire, je vais encore rien faire. Regardez, le sub goal, vous êtes prêts? 3, 2, 1. C'est lisible ou pas? Voilà, je vais vous le lire. Si on atteint du coup le prochain sub goal, il y aura un Basti Quiz plus guest qui sera organisé. Ah, ça fait longtemps qu'on a pas fait de Basti Quiz. Je me suis un peu creusé la tête pour se dire qu'est-ce que je pourrais faire de plus qu'une lasagne en live. Ce qui est déjà assez, pas contraignant, mais assez engageant. Je me suis dit, Basti Quiz c'est cool, mais si je mets Basti Quiz tout seul, comment je pourrais intéresser les gens. Et du coup l'idée sera de faire un Basti Quiz avec vous qui jouez depuis chez vous avec les iPhones, hein, les ordis comme la dernière fois. Mais surtout,
de faire un Basti Quiz en invitant des guests. Alors j'ai mis guest, ça sert à rien de faire leaker des noms tout de suite, étant donné que si le sub goal est atteint dans 6 mois, dans un an, bah, je saurais pas quel guest j'aurai en ami. Mais en tout cas, sachez que ce sera organisé avec un guest ou deux guests. Alors voilà, dans mes contacts, je ferai jouer d'autres influenceurs. Bien sûr, Domingo, Mikod et Samuel Etienne. Bah voilà, Nathan, tu as fait leak mes idées de base. Je t'ai lancé un clip de lasagne, vas-y, on va le regarder quand même. Alors, Ted Vuille, le battle, je l'ai déjà organisé plusieurs fois sur la chaîne d'Atecna. Mais tu as très raison de dire qu'il serait temps de le faire sur la chaîne Bastille. Et ça pourrait être un des prochains goals. Aujourd'hui, j'ai 15 jours par semaine pour faire du Bastille, hein, le vendredi. Donc là, tu vois, je te fais sur mon temps libre, le soir, etc. Mais si dans un mois, deux mois, un an, j'arrive à me dégager plus de temps, ce genre d'initiative sera évidemment faite. Ça me fait vraiment kiffer de le faire. Alors vous avez tout le mois de décembre pour remplir le goal, il n'y a pas d'urgence. Et en plus, j'ai encore le live lasagne sur l'épaule à terminer. Salut Grob. On va regarder le petit clip, bien sûr, juste en l'honneur. Hein. Il y a quand même Mustan Verju qui a fait avec Shubham qui est un YouTuber no code. Merci beaucoup El Solal pour ton renouvellement. Petit cadeau de Noël avant l'heure, c'est Papa Hagrid qui va être content. Merci mon enfant. Mais c'est moi, je suis apparu, dis-moi que tu marches Hagrid, que tu marches. Ben oui, je sais marcher, regarde. Tic-tac-touc, tic-touc, je fais des claquettes, tic-tac-touc, tic-touc. Merde. Il est con Hagrid, marche, ça veut dire fonctionne, mais lui il a cru marche, genre marche. Il est con. T'as l'enchaînement entre le sub de El Solal qui parle de Hagrid et Géberdo qui le déclenche est incroyable. Il marche en fait, il y a juste le son qui marche pas. Le son d'OBS. Donc tout ce qui sort d'OBS qui doit faire un son. D'ailleurs les subs ils font des sons là. C'est quoi la question? Sinon bonjour Hagrid muet. Ah pas mal, pas mal. Je parlais de quoi? Je sais plus de quoi je parlais. Ah oui, le clip de lasagne. Oui, donc Shubham qui est un youtubeur, non pas lasagne mais no code. Bah là pour tester les subs, on entend le son des subs. Je pense qu'on entend le son des subs depuis tout à l'heure. Mais ce qui est absurde, c'est qu'on n'entend pas le son des vidéos. Alors qu'elles sont sur la même. Bref. Ah, y'a pas le son des subs. Mais si y'a le son des subs, je les entends. Vous avez entendu là? Merci Altis pour ton prime. En tout cas, moi je l'ai entendu. On l'a entendu. Ça, c'est absurde en vrai. Pourquoi cela marche? Oh, je deviens fou. Si vous voulez, dans OBS, j'ai une scène qui s'appelle sub et une scène qui s'appelle. Enfin, une source qui s'appelle sub, une source qui s'appelle internet. Et internet ne fait pas de bruit alors qu'ils sont dans le même output. Je deviens fou! Complètement cinglé! Non, en fait, ça va. Salut Mustel! Comment tu vas? Bon, écoute, ça va. C'est pas comme si mon setup est bugué. Excellent. Bon, il faut que je regarde une lasagne, moi. Dans quoi je me suis engagé? Les nerfs lâchent, tout à fait. Petit burn-out en cours. Donc, juste, Stan Verju a fait un live lasagne. Bon, il faut honorer ça en regardant un petit clip. Juste pour voir la qualité de leur setup aussi. Hein. Alors, en espérant qu'on aura, comment dirais-je, qu'on aura le son. Ça, j'ai pas encore la certitude. Attendez, on va tester. Je coupe Spotify. Le son. Y'a pas le son et tout. Alors, j'ai pas le son. Y'a pas le son de mon Mac, en fait. Mon Mac est dans la même sauce que mes sources. J'arrive au bon moment. On avait 4 caméras, mais putain, vous êtes chaud. Alors, j'ai pas le son de mon Mac. Enfin, si, je l'ai. Je l'ai, mais comme il monitor, comme c'est du monitoring, j'entends pas. Tout ce qui est monitoring, en fait, est KO. C'est chiant, hein. The monitoring don't work. Alors, il y a des gens qui m'ont dit de débrancher la GoXLR. C'est méga risqué, non, en plein live.
Reboot une Go XLR en plein live. Bon, on va regarder sans le son, les amis. Du coup, je vais mettre une petite musique, hein, parce que sinon, ça va être un peu triste. J'espère qu'on n'a pas trop de vidéos à... Je tenterai pas. Non, moi non plus. On va mettre une petite musique. Il n'y aura pas le son, du coup. Je suis désolé pour tous les férus de lasagne. Oh là là, la lasagne. Oh là là. Ouf. Oh, les petites assiettes et tout. Mais attends, il y a un cadreur, là. Tout est KO, bien sûr, à côté. Non, mais c'est pas le navigateur. En fait, c'est toutes mes sources qui utilisent le monitoring. Donc, monitoring, c'est écouter le son de la source. Dans OBS, ils ont pas de son. Et là, tu mets la lasagne. Ouh. Oh, cette lasagne est bien chaude. Attention à ne pas te brûler. Magnifique. Salut Diffen, comment tu vas? En plus, il y a des belles assiettes et tout. Magnifique. Magnifique. Alors, vidéo complète, on va tout regarder, bien sûr, le React. C'est faux. Donc, Shubham, c'est lui. Merci beaucoup. Merci, Moon OFX. Merci beaucoup pour ton premier mois. Bienvenue à toi. Ça roule, Diffen, cool. Super, j'ai faim, moi aussi. Donc là, on a Shubham, et du coup, ça, c'est Stan, ça. C'est ça, le faciès de Stan Verju officiel. Le reveal du Stan Verju officiel. Bonsoir. Salut, Internet. Il est trop gifteur sur tous les streams, mais bien sûr, sauf le mien. Putain, Diffen, c'est horrible ce que t'es en train de faire. T'es en train de venir vraiment faire du chantage affectif pour avoir des subs, mais quelle tristesse. Ah, mais en tout cas, comment vous avez fait pour faire un setup à 4 caméras? Vous êtes chaud. Oh là là, mais... Je te raide plus le lundi, ouais. Ça se fait pas de demander des subs. Juste, explique-moi, Stan, comment t'as fait pour faire des plans? Il y a un gars qui cadre, là. Salut Mahudel. Ok, bah incroyable. En vrai, beau setup, hein. Beau setup, belle personne, belle lasagne. Beau youtubeur. Oh là là. Oh, cette carotte est épluchée, quoi. C'est insane. Il y a petit micro cravaté et tout. Putain, il y a du setup. Même moi, je saurais pas faire ça. Bravo. Bravo, bravo. J'ai faim maintenant, j'avoue, faut que j'arrête. Une Black Magic, ok. Est-ce qu'on a des trucs à... Je pense qu'on n'a pas trop de trucs à regarder sonore. Aujourd'hui, on a de la chance parce que le son fonctionne pas, mais c'est pas grave. En tout cas, le nouveau sub goal, c'est le Basti Quiz plus Guest. Stan a fait une lasagne, c'est super. Le setup marche à moitié assez pour faire un petit live sympa ensemble. On est parti. Alors... on va tweeter, parce que je sens qu'on va tweeter à 19h22, alors que le live va couper à 20h, ça va être une catastrophe. Donc on passe sur l'atelier tweet, et après on bosse, et après on discute, et après on a faim, on va juste peut-être quitter le live, parce qu'on va avoir trop faim. Enfin, vous pouvez manger, vous, devant moi, ça me dérange pas. Tant que vous mangez la bouche fermée, ça me dérange pas. Live. Ok. On se fait un gros rewind de l'année 2021 ensemble. Il y aura rewind des design tools, rewind des emojis, rewind de l'App Store. Et on va finir. Hop. Puis on parle des tendances. Je fais des promesses toujours, hein. Tu sens que le dernier sujet passe toujours à la trappe. Des bruits de bouche dans le chat interdit. Ouais, fermez vos... Débranchez vos claviers. Quand vous mangez, vous rebranchez pour pas faire des bruits de bouche dans le chat, bien sûr. C'est la base, je veux dire. Puis on parle des tendances de 2022. Ce soir, petit story time. 3060 Ti, virgule Figma Design Shirt. T-shirt, ça n'oublie pas. Je viens de finir de manger des sushis, mais what, c'est trop bon. Et tu manges des sushis à 18h30, what the fuck?
Ça évitera les miettes dans le clavier, bien sûr. Ce soir, petit story time, 3060 Ti, Figma Design T-shirt. Et une mauvaise nouvelle. Ensuite, on se fait un gros rewind de l'animal. Ok, j'avais préparé deux petites images. Boum. Il n'y a pas d'heure pour les sushis, j'avoue. C'est un de mes plats préférés. Si on fait la moitié des sujets, ce sera exceptionnel. Ce qui est cool, en tout cas, c'est qu'on n'a pas d'e-review. Donc, j'ai pas de personnes physiques qui m'attendent. Et si c'est un sujet qu'on fait pas, c'est pas très grave. On pourra le faire le lendemain. Ça vous va le tweet? Il est validé ou pas? Ah putain, il n'y a pas l'URL du live. Oh non, il n'y a plus de place. On va enlever ensemble. On est ensemble. J'habite à Montréal, donc il est midi. Ah ok, 4, désolé. Ça manque un peu d'émoji, non, ça va. Chill. Oh, mais j'ai plus de place de toute façon. J'ai plus un caractère. Tu me donnes froid avec ton bonnet. Il fait super froid dans mon grenier là. Je suis dans le grenier. Hein. Vous voyez pas, mais c'est mansardé. Il fait super froid. En plus, j'ai une calvoche. Donc, je suis en Jiraya calvoche. Donc voilà. Ok, c'est validé ou pas? Petit story time, Figma, t-shirt et mauvaise nouvelle. On peut enlever une et mauvaise nouvelle. Et comme ça, là, je vous mets l'emoji. Vous êtes content? Moi aussi, je suis à Montréal. Oh, la team Montréal qui régale. Dites-moi, vous me regardez d'où là? Dans quelle ville? Dans quel pays? Lâchez un peu dans le chat le pays, la ville. Est-ce qu'il y a des plannings de stream ou ça dépend? Moon, je publie mes plannings tous les dimanches soirs ou tous les lundis. Et régulièrement, c'est le lundi soir, le mercredi soir, le vendredi matin. Mais la prog et mes réseaux sociaux sont toujours à jour sur ça. Bordeaux, Belgique, Lille, France, la Madeleine, Paris, Liège, Belgique, Bordeaux, Belgique, Montréal, Paris, Arras, Rivière-du-Loup. Un coup du bataillon. Genève, on peut commencer par la mauvaise nouvelle, comme ça on continue sur la bonne nouvelle. Bonne idée. Bonne idée. Beaucoup dans le Nord, ouais. Le Nord, RPZ, Montpellier, Valenciennes, La Rochelle, Toulon, Paris. Putain, faudrait qu'on fasse une carte des viewers. Trop bien. Ok, c'est bon, on va relire. Ta-da-da-da-da. Allez, on valide. Grenoble fait froid aussi, ouais, c'est un peu l'hiver, quoi. Strasbourg, meilleure ville de France. Ah, oh, Will, tout de suite. Ça défend sa patrie. Trop bonne idée la carte. Pas de promesse, ce sera un sub goal. Non, je rigole. Ok, j'ai tweeté. Ok. Alors, on se fait quoi d'abord? Vous voulez la mauvaise nouvelle avant de démarrer? Vous voulez la mauvaise nouvelle? Je vais pas y aller par quatre chemins. Je vous la donne direct. Ok? De toute façon, j'ai pas besoin de faire monter le suspense. C'est juste une mauvaise nouvelle tout court, quoi. On commence par la mauvaise nouvelle. Je vais vous laisser constater ça par vous-même. Vous me direz ce que vous en pensez. Tout mais pas ça. Alors, je vais vous raconter un petit peu. Déjà, ce Bill Bokeh, je l'ai depuis que je suis petit, genre depuis que je sais pas, j'ai 9 ans ou quoi, je sais même pas d'où il vient, à la base, ça a toujours été dans ma chambre. Non, je vais pas, si c'était une vraie mauvaise nouvelle, j'aurais pas dit en live, t'inquiète pas. Sauf que regardez, il est si vieux, il y a tous les impacts des coups ratés, hein, tellement il est vieux, et la corde est usée jusqu'à l'os. Et ce qui s'est passé, bah c'est que... J'ai bilboqueté. Merci. Attention.
Merci Yaya. Alors, merci beaucoup pour ton dixième mois pour le en racheter un pour le réparer. Le but sera de le réparer. Parce qu'il est légendaire. J'en veux pas un autre en fait. J'en veux clairement pas un autre. C'est le bilboquet, tu vois. Et en fait, regardez, il y a un petit bout de corde qui est resté là. Elle s'est rompue, quoi. Et si je trouve un outil pour aller faire un petit bout, une petite pince très longue et très fine comme ça, je peux attraper le bout de corde, tac, repasser cette corde ou une autre, tac, et refaire un nœud au-dessus, tac. Enfin, dans ce sens-là plutôt, tac. Refaire un petit nœud derrière, tac, et re-rentrer. Sauf que cette mauvaise nouvelle est arrivée avec une autre mauvaise nouvelle, c'est que dimanche après-midi, avec Lunat, ou devrais-je dire Lunat, on a commencé à installer la 3060 Ti. Donc on ouvre l'ordi, on met la carte, on redémarre tout, on met tous les USB. Tous les USB ont sauté, ça c'est normal, hein, tous les USB sautent. Du coup, toutes mes sources sont pétées. Et pour vous la faire courte, après 1 million d'installations de la carte graphique, il s'avère que ma carte d'acquisition, donc celle qui permet d'avoir l'écran du Macintosh ici, et j'ai dit Macintosh parce que je suis vieux, et qui permet d'avoir la caméra ici, tout ça, ça passe par des USB, tout ça ne fonctionne plus. Les USB disparaissent. Donc avec Lunat, on était en mode, waouh, putain, l'enfer, on a tout essayé, tous les logiciels d'USB pour tester, etc., voir les surcharges, les machins, et on s'est dit, vas-y, on remet l'ancienne carte graphique, hein, la toute petite, et on réessaye, et là, ça remarche. Donc on est passé par plein de théories. Et les deux qui en ressortent, comme tu dis Octobre, c'est une alim pas assez puissante. J'ai une alim de 750 watts, qui est l'alim recommandée pour la 3060 Ti et pour 6 ports USB 3. Et qui devrait normalement être overload que à 75% avec ça. Donc ça c'est la théorie 1, il y a la team alimentation. Et la théorie 2, parce que j'ai posté tout ça sur les réseaux sociaux pour expliquer. La théorie 2 c'est des drivers de l'ancienne carte graphique mal désinstallés. Et des drivers de la nouvelle mal installés. C'est vrai que j'ai partout que 750, ça suffit. Donc la théorie 2, tous les puristes cartes graphiques me disent « Non, c'est pas la lime, elle est parfaite la lime. Il faut que tu retires tous les drivers de l'ancienne carte graphique. » Donc là, tu te retrouverais sur un écran 800-600 tout plat. Que tu installes la nouvelle, que tu retires tous tes USB, que tu installes les nouveaux, enfin, tout ça. Donc il y a tout un process d'installation clean de la carte graphique que je n'ai pas fait parce que je connaissais pas. J'ai eu le souci en installant la même carte graphique. Oh, Mustel, viens en MP après. On va pas en parler trop là, mais voilà, je vous raconte juste. Voilà, c'est suffisant. Donc, il y a tout un système. J'ai plein de tutos de plein de gens qui m'ont aidé sur les réseaux sociaux, merci. Mustel, je veux bien que tu m'aides aussi. Mustel, bah, tu viendras en MP, c'est trop gentil. Je vais pas vous embêter avec ça, mais tout ça pour vous dire que avec Lunat, et surtout merci à Lunat, parce qu'il est resté avec moi toute la soirée. On a commencé genre à 17h. Il est parti à genre 1h du matin, tu vois, c'était genre en mode... Et juste, on a pris du temps à réinstaller l'ancien setup pour que je puisse live cette semaine. Vous voyez à quel point on en est. Et du coup, j'avais perdu tout, toutes mes sources et tout, parce que j'avais fait des allers-retours USB. Donc là, j'ai tout recommencé. J'ai fait un live de test tout à l'heure et hier, ça marchait. Et là, bah, j'ai plus les sons de mon OBS. Parce que si, en même temps, j'ai eu des bugs sur la GoXR qui sont apparus, que j'ai tweeté aussi, enfin bref. Mustel la sauveuse, c'est ça. Bref, j'ai eu tout qui a bugué. C'est-à-dire que j'ai installé une carte graphique, ça a cassé mes cartes d'acquisition. En remettant l'ancienne, je reblanche la GoXR est en erreur. Et le plus drôle, et pour terminer cette histoire, le plus drôle, c'est que quand il y avait tous les problèmes qui arrivaient, pendant que Lunat est en train de visser la carte graphique, moi je m'entraînais au bilboquet comme ça en fond, histoire de m'occuper. Et littéralement, c'est à ce moment-là que la corde a pété. Donc, inutile de vous dire qu'il y a des jours de merde. Et là, c'était un jour de merde. Voilà. Et, comme dirait l'autre, on en rigolera quand il y aura des jours meilleurs. En gros, un PC a besoin d'un certain nombre d'énergie pour fonctionner. Mon PC suffit pour donner... Ok, non mais t'inquiète. Voilà, donc ceux qui veulent m'aider, n'hésitez pas à me faire un MP sur Twitter ou sur Instagram. Mais voilà, pour vous donner un peu mon état d'esprit du week-end. C'était fatigant et... déprimant, et en plus j'avais fait perdre du temps à Lunat et tout, enfin bref, c'était très désagréable, voilà. Mais n'hésitez pas, hein, si vous avez des petits, enfin Mustel apparemment t'as eu ça aussi, donc c'est bien. Je suis pas calé,
Non, t'es pas calé, mais au moins tu peux me raconter. Avec le CD des drivers. Ok, bon, on verra. Tu me diras. Voilà, donc c'était le petit story time des nouvelles. Est-ce que vous voulez... On va choisir quel booster on ouvre. Est-ce qu'on ouvre ce booster ou le booster qui est sur la banane? Donc on passe au rituel très rapidement. Et pendant que vous allez voter en cliquant sur l'écran, donc ça marche uniquement pour les personnes sur PC, sur navigateur web. Donc vous cliquez soit là, soit là, soit là. Enfin, vous avez compris. Moi, je vais aller chercher le t-shirt Figma et on va le regarder ensemble si ça vous va. Ouais, c'était les petits story time, bien sûr, pour démarrer. Je reviens dans 2 secondes avec le t-shirt, bien sûr. Je change de musique. Non. Merci le Bayou pour ton Prime. Merci pour ton soutien. Basti Quiz plus Guest. Allez, à tout de suite. C'est qui fait clignoter la banane là? Alors j'ai été chercher le t-shirt Figma. Il est magnifique en vrai. Je l'ai pas encore essayé. Mais j'ai pas ramené la boîte bien sûr pour pas que vous voyez mon adresse postale, on sait jamais. Je vais vous montrer, je vous expliquer d'où il vient, mais tout d'abord on va faire le rituel bien sûr. Alors le micro ne sera pas ouvert. Je laisse encore 3 secondes. 3. 2, 1, et j'arrête le vote. Et donc le gagnant, c'est lui. Avec lui qui a 0 vote. Miskin. L'ambiance s'élève super. Quand c'est un kiff, merci French Crevette. Bon, on va ouvrir ça, les amis. Bien sûr, le micro ne sera jamais ouvert. Bien que j'ai caché Hagrid dans la mousse. Alors, on va faire une petite prédiction pour un peu réveiller les foules. Prédiction tout simplement, est-ce qu'on va avoir Hagrid? D'ailleurs, avec Lunat, on s'est bien fait chier parce qu'on a trié toutes les cartes par ordre. Regardez, on a tout trié par ordre de numéro, donc on voit bien tous les doubles maintenant. Attendez, hop, là par exemple, elle est où? Elle est là. Alors, j'arrive pas en miroir, je suis baisé, mon cerveau est baisé. Elle est où? Voilà, on voit bien tous les doubles qui pop comme ça. Bref. Donc j'ai dû ouvrir une centaine de cartes. Il y a 90 cartes au total. Il y a 3 cartes dans ce booster. On va lancer une prédiction. Vous la connaissez bien. La prédiction s'appelle... Est-ce qu'il y aura Hagrid? Tout bêtement. Alors, gérer la prédiction. Tac. Je la mets sur l'écran. Commencer une prédiction. Y aura-t-il Hagrid? Oui, non. Ça part. Vous pouvez voter oui et non avec vos points de chaîne. Apprêtez-vous à les perdre et on remercie bien sûr Boulinosaur pour son 2e mois d'abonnement. Merci beaucoup, Boulinosaur. Merci beaucoup. Je vous montre un petit peu ça pendant que je prépare le paquet. Il manque beaucoup de numéros. Ouais, il en manque quand même pas mal. Enfin, on a juste trié par ordre, mais on n'a pas compté. On avait une carte graphique à défaire quand même. À force de vouloir stonk, je vais me retrouver avec 0 bastiqué. C'est un peu le risque. C'est ça le souci des bêtes. Je peux fabriquer un bonnet Figma. Je vais être attaqué en justice. Ah ouais,
Fais un bonnet Figma. Je te l'achète. Hop, la petite pastille. Bienvenue au nouveau. Ah là là, mais il n'y a plus personne sur la team Wii. On a tout la team Wii qui ont plus de tickets en fait. Oh, il y a Will Traoré. Qui est solo sur la team Wii. J'ai les trois cartes en main, les amis. Je rappelle que s'il y a Hagrid, j'offre un sub gift et que ce n'est jamais arrivé. Alors, je ne sais pas combien d'unboxing. L'espoir fait vivre. Ah, la Karg qui vient ici. Karg qui vient mettre 8000 et un ticket, bien sûr. Stan Verju, un petit 1000, on sait jamais. Et toujours Nathan. Nathan, il est toujours là. Nathan, il est sur le nom depuis le début. Il est sur le nom depuis le début. Et il stonks comme Jaja. Nathan, il peut trigger tous les points de chaîne de la chaîne à l'infini, quoi. J'ai perdu 60k sur le Wii. Et pourtant, t'es tout le temps sur le Wii. C'est beau, ça. Parce que c'est ce soir, peut-être, les amis. La team Wii. Je suis un Wii timide, ah ouais. Ah là là. Allez, allez. Je laisse encore quelques minutes à la team Wii pour grandir un petit peu, pour grossir ses rangs. 15% quand même, c'est pas trop mal en vrai. Sachant qu'il y a 90 cartes. 90. 3 divisé par 90. Ouais, y a pas. Y a 3% de chance de gagner quoi. Y a 3 chances sur 90 quoi. C'est pas ouf hein. C'est vrai que c'est une petite proba quoi. Petite proba quoi. Ouais. Ok. On y va les amis, je coupe dans 3, 2, 1. C'est quoi la rareté d'Hagrid? En vrai, elle est pas rare du tout normalement. J'ai plein de gens qui m'envoient des Hagrid en veux-tu en voilà sur Instagram et tout. Hein. C'est juste que bah, on est Hagrid maudit quoi. On est Hagrid maudit. Les amis. Êtes-vous prêts? Une chance, 3 chances que dis-je sur 90 d'avoir Hagrid, 3 chances sur 90. Première fois que je fais une grosse prédiction, au secours nous dit Isaline M. Qu'est-ce qu'elle a prédit? Isaline M. Elle n'est même pas dans le top 10, ça ne doit pas être une grosse prédiction. C'est parti. Mathis, tu pourras regarder le replay. C'est parti, première carte. Est-ce que c'est le géant? Mais non, c'est jaune! Et c'est Pouf Souffle, les amis! C'est l'école de Bastille. Nous n'avons plus que 2 chances sur 90. La team non se frotte les mains. Mais c'est sans savoir ce qu'il y a derrière le Pouf Souffle. Est-ce que c'est le géant au grand cœur? Rubéus? Oh! Hagrid? Oui! C'est un putain de chat patent rond, le chat de Hermione. Un petit chat. Oh, il est mignon, le petit chat! Nanani, nanana, c'est pas Hagrid, merde! C'est un chat. Qui ressemble fortement au chat de Squeezie. Mais ce n'est pas le sujet. Qui ressemble aussi au chat nommé Garfield. Mais ce n'est pas le sujet, bien sûr. Je suis team chien et non pas team chat, mais ce n'est pas le sujet. Dernière carte, dernière chance pour la team Wii. Suspense maximal. Expecto Patronum, c'est encore putain de Bellatrix Lestrange. C'est au moins la 5e fois qu'on l'a. C'est incroyable, c'est injouable. C'est encore Bellatrix Lestrange, et merci Marius pour ton prime. J'ai eu une voix d'ange, Bellatrix Lestrange. Oh, le petit nick ta mère qui est parti à la fin. Merci Marius pour ton prime. Les amis, c'est insane. En vrai, la Bellatrix, là, on l'a un nombre de fois
incalculable. C'est trop la tristesse dans ma vie à cause d'un chat et de Bellatrix. Aïe, aïe, aïe. Donc, Pouf Souffle, est-ce qu'on l'avait? Pouf Souffle, est-ce que... La carte 18. Carte 10... Je les range maintenant, là. Bon, c'est une nouvelle... Oui, je l'avais déjà. Je suis mort. Hop, une petite carte Pouf Souffle, hein, pas de souci avec ça. Hein. Une petite pouf, bien sûr. Et sans parler des Bellatrix Lestrange non plus. Petite Bellatrix, c'est la combien? La Bella, c'est combien? Elle répondait au nom de Bella, bien sûr, hein, je vous rappelle. Oh là là, Bellatrix. Mais Bellatrix. Les amis, elle répondait au nom de Bella. Elle faisait tourner tous les visages. Mais ne vous inquiétez pas, cette fille-là. Hein, parce que là, c'est bon, je l'ai eu. Hein. J'ai compris, Bellatrix Lestrange, je l'ai eu. Merci le jeu. On va bien sûr vous donner vos points de chaîne. Oh, je l'avais déjà, pâte en rond. Bah, c'est bien. Deux pâtes en rond. J'ai deux pâtes en rond. La roue de la chance tournera plus tard. Finaise, le Hagrid, déjà, il est intouchable. C'est injouable. Les amis, on va vous donner ça. Choisir la réponse. Y aura-t-il Hagrid? Bien sûr que non. Terminez la prédiction. C'est parti. Stonksez vos points. Ciao, ciao à tous. Récupérez plein de points de chaîne. Bon. Le t-shirt Figma pour terminer ce pré-live. Incroyable. Bravo à tous pour vos points de chaîne. Figma, première chose, on va regarder. C'est quoi l'astuce pour avoir le t-shirt? Je vais vous la dire, l'astuce. Elle est hyper simple. Et elle est... Enfin, elle est hyper facile à expliquer, mais très dure à mettre en œuvre. Donc déjà, boum! J'ai choisi celui-là, on l'avait choisi ensemble sur le site. Donc j'ai choisi le t-shirt avec le petit curseur... Vous voyez le petit curseur multicolore? Un peu Pride. Voilà, je suis Pride. C'est la Figma Pride. Donc plutôt stylé. Et en fait, on peut le porter. C'est assez neutral en fait. Il n'y a pas écrit Figma devant. Il n'y a pas vraiment écrit Figma derrière. À part sur le col en tout petit, regardez. Voilà, donc c'est plutôt is-ok. C'est sympa. Plutôt sympa. Donc ça, je suis assez content d'avoir reçu ça. Par contre, le t-shirt versus le temps et l'énergie pour l'avoir n'a pas de sens. Comment qu'on l'a? Alors, pour avoir le t-shirt Figma, il faut créer une chaîne YouTube et la faire grandir pendant 5 ans en postant des vidéos tous les mois. Voilà, sur les sujets du design pendant 5 ans. Vous faites ça pendant 5 ans. Ensuite, vous créez une chaîne Twitch. Vous faites grandir une communauté sur Twitch pendant 2 ans. Après, vous écrivez une quinzaine de mails à Figma pour dire ouais... Ou can we work together with sponsored video or maybe a nanani nanana? Voilà. Là, ils répondent pas. Ils répondent pas pendant un an. Ensuite, vous allez dans un projet. Vous vous faites embaucher dans une boîte qui travaille avec Figma pendant un an. Vous travaillez pendant un an. Tac, tac, tac. Et il y a un beau jour, le jour de votre anniversaire. Non, mais c'est vrai. Tout ça, c'est vrai. Le jour de votre anniversaire. Donc moi, c'est tombé le 28 octobre dernier. Il y a le responsable des licences Figma de l'énorme boîte dans laquelle vous bossez depuis un an qui utilise Figma, qui parle au commercial parce qu'il renouvelle des centaines de milliers de dollars de licences. J'exagère un peu, mais il renouvelle les licences, il fait « Ouais, nanana !» Il fait « Ouais, allô Figma, ouais, mettez-moi encore une centaine de licences, ouais, je suis blindé, je suis une entreprise, nanana. » Et à ce moment-là, ce gars-là, il est dans la même pièce que vous, en réunion. Il dit « Ah Basti, c'est ton anniversaire, je vais dire à la meuf... Can you send a t-shirt to this guy? He made content on Figma. » Nanani. Et il y a un mec sur Twitter qui est venu me parler. Qui m'a dit, tu veux un t-shirt? J'ai dit, ouais, trop bien. Il me dit, tu veux lequel? J'ai dit, bah celui-là, go. Il m'a dit, tiens. Je fais, et du coup, il y a moyen de faire une sponsor? Il dit, ah, j'ai pas le temps avec toi, gros. Parle à hello@figma.com. Je fais, bah j'ai déjà écrit plein de fois. Il répond pas. Voilà, c'est la petite astuce pour avoir le t-shirt, quoi. Je vous la donne, c'est gratos. Voilà, c'est impossible à avoir. Pétez tous un plomb. Pétez tous le plomb que vous voulez.
c'est impossible à avoir. Et j'ai remarqué en plus que le shop, parce qu'ils ont un shop, Figma Shop, qui permet de recevoir le t-shirt. Du coup, moi, j'ai enlevé l'URL de mon order history pour retrouver la racine du site, pour aller voir les autres produits en mode « Oh, j'ai hacké le truc, quoi ». Et en fait, il s'avère qu'il faut un mot de passe pour aller sur leur shop. C'est que pour les internes, tu vois. Salut, Fox. Donc, désolé pour Ted. Fais-le toi sur idshirt.fr, ça ira plus vite, quoi. En plus, il n'est pas excessivement dur à refaire, quoi. Tu vois, même... Tu vois, ils l'ont fait sur le site Canva. Canvas, leur concurrent, le site. Non, c'est une blague. Évidemment, c'est une blague. Non, bah, c'est un t-shirt tout à fait classique, promotionnel, et rien de fou, quoi. C'est pas une marque de ouf, quoi. En plus, c'est pas... Je prends les commandes Mustel, bien sûr, qui va stonks, mais qui va aussi avoir un procès, bien sûr. Refais-toi, mais après... Merci, Sandarpunk. Merci pour tes lives de qualité. Merci d'être là. Et merci pour ces 3 bilboquets qui correspondent aux 3 mois. Sachant que moi, il faut que je répare mon bilboquet. Voilà les amis. Bah écoutez. Rituel. Unboxing du t-shirt Figma. Storytime de la carte graphique. Mauvaise nouvelle avec le bilboquet. La dernière. Just chatting things I need to share with you. Is very important for me. Because as an influencer, I want to log in on my Basti UI channel. Ok. Ah, I'm fold. I'm totally fold, bro. Ok, sorry about that. Du coup, je suis connecté. Sur la chaîne Basti UI, bien sûr. D'ailleurs, vous dites Basti UI ou Basti UI, vous? Petite question comme ça. Parce que ce matin, Simon Pouet, il m'a appelé Basti U. Spécial. Donc voilà, j'ai sorti une nouvelle vidéo. Avec un thumbnail, j'ai envie de dire, travailler aux petits oignons, même aux petits burgers. Une map Uber Eats sans code. Donc c'est une vidéo. Ouais, UI c'est bien. Hein. UI, il y a les deux écoles en vrai. Basti UI, Basti UI. À la française, UI. Moi j'aime bien la française, mais bon. UI. Et je me dis, si tu dis UI, il faut dire Basta UI. Non, je sais pas. C'est bizarre, non? Basta UI ou Basti UI. Faut les faire, ouais. Bref, les amis. J'ai besoin de votre soutien pour booster cette vidéo au maximum. Je l'ai sorti hier en l'absence, oula, je sais pas, en l'absence de mon live, c'est vrai qu'on n'a pas le son, de toute façon il n'y a pas de souci. Allez la pouce bleutée en masse, allez la regarder en masse. Faites-vous plaisir, faites-moi plaisir, allez me booster cette petite vidéo où je vous explique comment faire une carte avec Bravo Studio et Figma. Et la vidéo a été montée par un nouveau monteur. Que je remercie par le biais de ce live, même s'il ne regarde pas, qui s'appelle Bissom, et merci pour son travail. Voilà. Je vais me faire un marathon de tes dernières vidéos. Ouais, mêlée quand tu t'endors et tu mets lire en boucle, un truc comme ça, c'est super. Adobe, bien sûr. Basti UI, salut Tifoc. Très chouette vidéo, c'était satisfaisant de voir le resta. Merci Mathis. On fait du glide quand BG, c'est quoi du glide? C'est ça? Ça s'appelle du glide sur la basse. Ah, glide, ça doit être un outil de no-code. Ça doit être du no-code. Je me suis fait la remarque quand t'étais avec Hugo, où justement il te disait que tu disais trop d'anglicisme, mais c'est lui qui prononçait UI à l'anglaise et toi à la française. Non mais c'est sûr. Non mais c'est sûr, mais il dit plein d'anglicisme aussi, Hugo. Hugo the Crypt, bien sûr. Un outil no-code de folie, glide app. Eh ben vas-y, enfin non, j'ai pas le temps en vrai. Je te dis vas-y mais j'ai pas le temps, mais un jour peut-être. Un jour peut-être, je suis preneur de toutes bonnes informations. Aujourd'hui c'est pas le temps que j'ai en rab, mais un jour peut-être, ouais. Je m'intéresserai. Après moi je suis pas un 100% youtubeur no code, mais je suis pas fermé à en faire de temps en temps, tu vois. Bah je vous ai remis le lien de la vidéo. Faites péter des pouces bleus là, faut qu'on dépasse les... Je sais pas... Les 300 pouces bleus là, il en reste plus que 5. Allez, 295. On quitte pas tant qu'il n'y a pas les 300 pouces bleus, évidemment. Regardez, même moi j'en ai mis un. F5. 296, c'est lourd, lourd. Lourd, lourd, lourd. En tout cas, très bon ce burger. Ah oui, je peux vous raconter. Hein. C'est un faux burger.
sur le thumbnail, sur la miniature, j'avais comment dire. Ah, let's go, merci les amis. C'est super. Sur le thumbnail, j'avais pris un vrai burger dans une vieille friterie parce que je dis, ah, faut que j'ai un burger aujourd'hui pour faire ma photo. Il était tout plat, il était tout miskin. Donc j'ai mis un burger en PNG en vrai. Merci pour vos pouces. Allez les amis, on va démarrer les actus. On va parler de plein de petits rewinds. Le but c'est de discuter, on va dépiler les articles. Et bah je vais vous chanter le générique des actus du coup, ça va être sympa. Échappe ces infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais mais tu sais pas. Pote les actus de Bastu. J'espère que ça vous a plu en tout cas. On est un stream artisanal, on n'a pas de son. Voilà. Alors, la première actu, en gros, on va dépiler plein de rewinds. Et le premier, évidemment, c'est le plus important pour nous. C'est El Famoso Design Tool Survey de uxtool.co. Je vais pas vous mentir, on le regarde littéralement tous les ans ensemble. Et c'est parti, on va le regarder ensemble aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui peuvent me dire s'ils ne connaissent pas ce site, s'ils ne connaissent pas le design tool, enfin uxtool.co. Stan, tu connais pas, ok. Je connais pas, ok, bah. Ah ouais, vous connaissez pas. Bah écoutez, c'est cool de faire découvrir ça à de nouvelles personnes. Ah ouais, moi je connais pas. Ah, what the fuck. Salut Else, ok, bah vas-y, go, on va expliquer tout ça. Alors, uxtools.co, à la base, je vais vous montrer comme ça, pouf, poup. C'est un site web en fait qui classifie tous les outils de design selon leur prix, selon leur usage, selon leur plateforme, selon leur feature, par exemple online, s'ils sont collaboratifs, si on peut mettre des commentaires, si on peut faire du end-of, de la 3D, etc., etc. À la base, ce site, c'est ça, d'accord ? Tous les ans, ce site uxtools.co font un sondage pour savoir quel est l'outil de design le plus utilisé par les designers en général. Voilà, tout simplement. Et c'est trop cool de le voir parce que c'est le rewind des designers, si vous voulez. Voilà. Tout simplement. Alors, ce qui s'était passé l'année dernière. L'année dernière, c'était la première année où Sketch s'était fait dépasser par Figma. Si vous voulez, entre 2019 et 2020, c'était la première fois dans ce rewind qu'on voyait Sketch se faire doubler. Donc, là, je pense qu'il n'y aura pas trop de surprises. Je ne me suis pas spoil, mais je pense qu'il n'y aura pas trop de surprises. Pour ceux qui ne connaissent pas, utilisez bien ce site. Par exemple, si vous cherchez à faire un prototype. Regardez ici, UI Design, Prototype, Whiteboard, User Flow, End of, Design System, etc. Allez checker. Prototyping, on aura peut-être Figma qui sera meilleur que XD. Sketch complètement à la ramasse sur prototyping. Par contre, sur design system, Sketch est beaucoup plus haut que XD. Voilà, etc., etc. Ce qui est un peu biaisé aujourd'hui, c'est que Figma, il a déglingué tout le monde, en fait. Mais avant, c'était beaucoup plus bataillé, quoi. Tu changeais de catégorie, ça bougeait et tout, voilà. Donc ça, vous pouvez aller checker ceux qui sont, entre guillemets, débutants ou en reconversion d'outils sur le design system. Sketch, c'est fini, je pense. On pourra en parler. On va dépiler l'article et on en parle après. Alors, blablabli. Donc ça, c'est les sponsors, bien sûr, les sponsors. Table of content. Donc, on commence par Demographics. Donc, il y a eu 131 Français, 134 Allemands, beaucoup d'Américains, des British, des Canadiens, des Coréens du Sud, des Indiens et encore d'autres lieux qui ont répondu à cette enquête. Les gens se sont décrits principalement comme des product designers, ensuite des UX designers ou des UI designers. Ensuite, on a des web designers, des graphic designers, il y a des devs, des PO, etc. et d'autres choses, visuels, UX architectes, etc. Donc en gros, c'est vraiment un truc de product designer, voilà. Designer produit. Alors, what types of experiences are you designing? Ok, donc ça, c'est plutôt sur quoi on bosse. Est-ce qu'on bosse sur des web applications? Est-ce qu'on bosse sur des sites web, des mobile apps, des applis desk, des digital media ou du print? Voilà.
Donc la plupart des gens bossent sur des web apps. Web app, par exemple, Discord, c'est une web app. Slack, c'est une web app. Spotify, en ascens, c'est une web app. Enfin, il y a une web app, voilà. Des websites très classiques et des applis mobiles en 3. Des applis desk un peu moins, voilà. Figma, c'est le sang de la veine, sauf pour les t-shirts. Ensuite, sur quelle plateforme tu designs principalement? On a quand même 75% de Mac encore. Discord, c'est plutôt média. Non, média, c'est plus... Non, je suis pas sûr. À voir. On a Windows en DOS et multiple. Et il y a le petit Linux qui est là. Donc, malgré le fait que les outils aujourd'hui soient plus dédiés uniquement à Mac et que les écrans des ordi se soient améliorés sur Windows et tout ça, enfin sur les PC, eh bien, on a quand même une majorité de Mac encore dans la culture des designers, quoi. Multiple, ça serait quoi? Bah, à moitié sur PC, à moitié sur Mac, par exemple. Alors, moi, je suis sur un Mac, comme vous le voyez là. Vous reconnaissez bien sûr la pomme ici. Mais j'ai un PC pour streamer. En gros, ici, ce que vous voyez ici, c'est un PC. Et ici, j'ai mon Mac devant moi. Voilà. Les années d'expérience, plus 10 ans d'expérience, avec quand même plus de seniors. 3 à 5, voilà, ok. Combien d'employés a-t-il dans votre structure? Donc, ce qu'il y a le plus, c'est des entreprises de 10 à 100 personnes et aussi plus de 1000. Incroyable. Donc ça, clairement, bah, c'est un peu les structures des petites agences et tout. Et combien de designers dans votre équipe? De 2 à 10 designers, c'est le principal. C'est la petite équipe moyenne, quoi. C'est vrai que quand t'as une toute petite équipe, les outils comme Figma, comme ça peut être cool. Ok. Ok. Alors, Digital Whiteboarding. Donc là, c'est quand vous voulez faire, on va dire, de l'idéation. Qu'est-ce que vous utilisez? Déjà, est-ce que vous utilisez un logiciel? Yes, no, no. Ok, donc ça veut dire qu'on fait, par exemple, tout ce qui est recherche utilisateur, post-it, etc. On le fait pas sur un mur, on le fait vraiment sur un média. 75%, ça, je pense que c'est le télétravail qui fait vraiment ça. Les meilleurs outils pour faire du whiteboard. Eh ben, what? Attends. C'est Miro le top 1? Ça se lit dans quel sens? Miro, Figjam? Ah, Miro, il est encore devant Figjam. Intéressant, ça. Il y a des nouveautés dans le décor, tout à fait. Ouais, c'est un peu du brainstorming, en fait. C'est ça, tu mets des post-it crevettes. Ok, Figjam n'a pas dépassé Miro. Et il y a des gens qui font ça sur Figma, l'original, ok. Mural, Whimsical et Adobe XD, d'accord. Miro principalement. Miro est encore devant Figjam. Vous utilisez Miro, vous? Ah, tu préfères Miro, Tifoc, intéressant. Justement, moi, je me demandais... Ah ouais, Miro est encore... Miro, je le trouve un peu ugly, des fois. Mais bon... Figjam, pardon, il est plus mignon. Ok. Oh là là, InVision Freehand. Sketch. Adobe Illustrator. Photoshop, bro. Qu'est-ce que tu fous sur Photoshop à faire du whiteboarding? Incroyable. Je préfère Figjam et pas mes chefs. Oui, surtout que ça coûte cher. Dans ma boîte, on utilise Mural. Ouais, Mural, il y a un petit côté sympa, mais c'est encore un autre outil, c'est dommage. Si Adobe rachète Sketch, ils ont encore une chance. Ou s'ils font une feature de ouf, ouais. On sait, ouais. C'est compliqué, Fox, ouais. C'est une question de temps avant que Figjam devienne top 1. A voir, Yaya, parce que là, Figjam, ils ont annoncé leur prix. Donc, ils étaient, comment dirais-je, ils étaient gratuits jusque-là. Là, ils ont annoncé leur prix. Donc, c'est $15 par mois par personne. En plus de la licence Figma. A voir si les entreprises vont faire le switch. Ok. Alors, malgré la popularité de Figma, c'est impressionnant de voir que Miro garde la première place. C'est surtout dû à sa bonne note de satisfaction de 4,3. Intéressant. Les gens qui utilisent Figma ne trouvent
Sims. Ah oui, voilà ça. Les personnes que tu disais Figma ont trouvé de l'intérêt sur FigJam parce qu'il était gratuit cette année. Voilà, donc ça, ça va bouger. C'est ce que je disais, tiens, c'est marrant. 18% des gens utilisent le même UI design tool que le whiteboarding. Oui, c'est pratique ça. Balsamic, c'est encore autre chose. C'est pas pour du whiteboard, c'est pour du prototypage, non? Le fait que ce soit interconnecté avec Figma, c'est intéressant, ouais, ouais. Pour copier-coller des choses. Ah, UI design, ça y est. On nous y sommes. Notre cœur de métier. Do you use a software for UI designing? Quoi? Non. Ah, ok, j'ai eu peur que les... J'ai cru que des gens allaient faire du coup de l'UI design sur du papier, tu vois. Mais je pense que ça veut dire juste qu'ils font pas de design du tout. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Sur le no, j'ai eu peur. Et oui, le prix de FigJam a freiné pas mal de personnes versus Miro. Miro, ça coûte combien par mois? Dans ma boîte, on fait Figma plus Miro. Bah, je peux comprendre si c'est une question de prix, en vrai. Je peux comprendre de ouf. Mais c'est pas pratique. Là, je pense que de la boîte où je suis, Decathlon, on va essayer d'avoir FigJam quand même. Ok, suspense, vous êtes prêts? Aucun suspense, c'est fini. Oh, Sketch est deuxième? Mais non. Oh. Eh ben, rien que pour ça, je suis agréablement surpris. Most popular UI design tools. Donc Figma encore devant Sketch. Et encore devant Adobe XD, ok. Framer a une bonne note, incroyable. Axure 3, 6ème. Je crois que c'est 15$ par user, hein. Yaya. Je crois. Hein. Ouais, mon client c'est Decathlon depuis un an. Framer, c'est quoi? C'est un outil de prototypage avancé où tu peux commencer à insérer un peu de code. Par exemple, ça peut te servir à faire des formulaires interactifs assez facilement. Même en organization plans, je sais pas. En vrai, faut, je sais pas, c'est pas moi qui tiens les licences. Mais j'ai cru comprendre 15$, moi. Alors, UI design, les amis. Figma, waouh. Oh, l'écart est huge. Ah ouais, Sketch et Adobe XD. Putain, je pensais qu'Adobe XD, c'est devant Sketch, quand même. Oh, la méga loose pour Adobe XD, en fait. Ils s'en sortent vraiment pas. Quand on voit comment Sketch, il est done. Pourquoi Adobe XD est pas au-dessus, quoi? Moi, je sais pourquoi. En vrai, c'est parce qu'il y a des problèmes d'organisation de composants et tout, mais... Axure, c'est plus, ouais, Axure, c'est plus pour faire des trucs logiques un peu poussés, quoi. C'est un peu comme Framer, Axure. Adobe XD, c'est doomed. Leur roadmap, c'est Nawak, on est d'accord, Yaya. Illustrator et Photoshop prennent des parts, et pourtant, c'est pas fait pour faire de l'UI design à la base, mais pourtant. Comment avoir vraiment les t-shirts Figma? On peut pas, Hugo. On peut pas, ils envoient qu'à des gens de confiance pour l'instant. Pourquoi Figma a autant de succès? Eh bien, en fait, je vais te renvoyer, je vais te l'expliquer très rapidement, mais j'avais fait une vidéo et elle est toujours d'actualité en vrai. Elle s'appelait comment, les amis, la vidéo sur les outils? Sketch est mort, je crois, on avait fait. Ouais, c'est ça. J'ai pas internet, apparemment. Regardez, la qualité du setup est incroyable. Avant. Non, après. Avant. Après. Avant. Oh, ce changement. Oh, la dingue. Alors, il est où le schéma? Il est où mon schéma? Voyez là. Faut que je trouve, voilà. En gros, pourquoi Figma a autant de succès? En fait, en UI design, en prototypage, il y a deux axes qui sont intéressants pour moi. C'est faire un fichier clean sur cet axe-là. UI clean, design system, factoriser, partager, collaborer. Et il y a un axe un peu plus idéation, motion, proto. Si tu veux, Sketch, il est très fort pour faire des interfaces très clean, très carrées, très organisées, où tu peux maîtriser chaque couleur, chaque override, chaque pixel, de qui peut l'éditer, machin, machin. Tu peux même prendre plusieurs composants, changer un override à la volée, etc., etc.
Adobe XD, tu peux faire de la 3D, du motion, des trucs. Mais dès qu'il faut faire un composant, dès qu'il faut faire un truc répétitif avec beaucoup de fichiers, ça pète un câble. Et Figma, il est entre les deux. Et Figma, il était là. Et au fur et à mesure des années, il est monté jusque là. Parce que là, il était légèrement en dessous de Sketch sur l'organisation et légèrement en dessous de XD sur le motion. Mais aujourd'hui, il est au-dessus. Ici, tu vois. Dans la zone que j'ai dit impossible, entre guillemets, ici. Il n'est pas exactement dans la zone impossible, il est un peu en dessous, on va dire. Et c'est ça qui fait que Figma a du succès. Et la deuxième et dernière chose qui fait que Figma a du succès, c'est que tu peux l'utiliser gratuitement et que tu peux l'utiliser dans un navigateur web. Ce qui fait son succès, tout simplement. Voilà. Et moi, ouais, comme toi, j'utilise de plus en plus Figma pour tout, quoi. Je vais pas aller ouvrir Illustrator. Illustrator, c'est trop lourd. Je vais m'ouvrir un petit Figma dans Chrome et boum, bim, bam. Voilà. Voilà, voilà. Figma explose parce qu'ils font des outils qui correspondent vraiment aux problématiques des gens qui bossent le soft. Exactement, exactement. Et il est fluide et tout. Ouais. Mais c'est intéressant d'en reparler. Alors, bah, Figma on Mac et Figma en PC aussi, hein. Adobe XD est quand même beaucoup plus... il récupère tous les sketchs, en fait. Mais c'est quand même incroyable. Il faut utiliser quelle application Figma sur mobile? Bah, si tu veux faire Figma Mirror, ça te permet de recopier ton proto dans ton téléphone. Mais sur mobile, après, c'est tout, quoi. Ouais, et puis Sketch, il est que sur Mac. Forcément, c'était compliqué. Moi, j'utilise l'application Desk. Mais ce qui est cool, c'est que tu peux l'utiliser de n'importe où. T'es même pas chez toi, t'imagines, t'es sur le PC d'un pote, t'ouvres un onglet, tu te logs dans Figma, tu fais des modifs, quoi, c'est trop bien. Alors, UI Design Tool Used by Team Size, ça c'est hyper intéressant. Figma est beaucoup utilisé en solo, Figma est énormément utilisé en équipe de 10. Sachez aussi que Figma a été le premier à apporter la collaboration multicurseur French Crevette, ça c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Et il y a eu le confinement, il y a eu le Covid, et c'est vrai qu'avec le télétravail, eh ben, ça a été un gros move que... Moi, j'étais sur Sketch sur certains projets. On pouvait plus bosser sur Sketch, en fait. On pouvait plus du tout, parce qu'il y avait un gars chez lui, l'autre gars chez lui. Et la meuf, elle disait, bah, qui fait le fichier? On va mettre sur Figma. Et ça a vraiment fait bouger Figma de ouf, quoi. Le Dasein du sapin, super. Voilà. Bah, c'est vrai, voilà, c'est ça. En gros, c'est ça. Voilà, multicurseur et tout. Et regardez, ça fait mal au cœur. Regardez, si vous êtes Sketch ici, en 2017, vous êtes let's go, let's go, on perd un peu tranquille. Let's go, 2019, 2020, le Covid nous a tués. Aïe, 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 c'est triste. Et Figma, brim. Ça fait mal, ça. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Aïe, aïe, aïe. La douce chute de Sketch qui fait un peu mal au cœur, j'avoue. Et le E dans l'eau qui n'a pas été triggered. La douche. La douche. Il y a pas longtemps, il y a une fuite de données chez Figma. Intéressant. La douche. Ouais, la douche. Je suis très Adobe XD en tant que novice. Mais Figma, c'est pas si compliqué. Hein. Et tu peux faire des sauvegardes en local, ouais. Après, j'avoue qu'il y a eu des jours au travail où il n'y avait pas internet. Et c'était galère d'accéder au Figma et tout. Et je vais vous remettre du coup. Sketch est mort. Ok, ça marche pas. Ah, je l'ai pas appelé comme ça. Jean. Profite pour vous repartager cette vidéo qui, pour moi, est toujours d'actualité. Sauf mon décor.
Et en vrai, cette vidéo, je m'étais dit, il faudrait que je la retourne. Il faudrait vraiment que je la retourne parce que elle est bien et puis elle permettrait de... Attendez, le moment là, il est dégueu. Elle est bien, elle permettrait de remettre à jour les choses, mais elle est toujours d'actualité. Hein ? Dans la vidéo, je dis juste que Figma, il prend des parts parce que ça, parce que si, et voilà. Moi, je suis passé à Figma pour la tonne de plugins. Ouais, après, les plugins, ils viennent toujours sur les communautés où il y a le plus de monde. Sur le métaverse, ah non. J'en profite pour vous partager cette vidéo qui, pour moi, est toujours d'actualité. Hop. Ok, on continue. Ok, 8 Zen, c'est la plus populaire. Ok, ils sont très satisfaits de Figma et Framer. Et Figma, c'est pour l'UI-Design. Alors, prototyping. C'est intéressant, prototyping, parce que c'est différent. On décore sans. Oh merde, je fais une faute. Oh, je fais une faute. Ouais, j'ai mis S. Bon, tant pis. Tant pis. C'est pas grave. Alors, prototyping, c'est intéressant. Parce que c'est la même chose, mais c'est mettre des actions entre les écrans. Et pour moi, le prototypage, c'est obligatoire aujourd'hui. Vous pouvez pas livrer une maquette sans prototypage. Et là, bah forcément, Sketch, il est ciao. Là, Sketch, il fait quasiment pas ça, quoi. InVision, c'est ouf qu'il soit là. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? C'est incroyable qu'il y ait encore InVision. J'en parlais avec des collègues. Comment c'est possible que InVision soit encore là? Et on se dit... qui a dû avoir des commerciaux qui ont vendu InVision à des grosses entreprises qui ne s'y connaissaient pas trop et que ces entreprises sont toujours empatouillées dans ça et qui veulent pas changer. C'est la seule façon d'imaginer ça. Quoi. Ça reste quand même possible dans Sketch. Dans Sketch, tu as 3 animations. Pousser à gauche, pousser en bas, pousser à droite. C'est ça le prototypage. C'est assez basique. C'est quoi InVision? Putain, j'ai fait des formations InVision il y a 4 ans. C'était ouf. Hein. Ouais... Alors Luna 6, c'est le clone de Sketch pour Windows, en effet, ouais. Ok, bon, on va aller assez vite, hein, là, on va se faire clutch par Figma tous les 2 secondes, hein, je crois. Prototyping through the years. Attendez, il y a des notifs là qui pop, je sais pas comment ils arrivent. Hop. Ok, let's go. Du coup, là, prototyping, c'était qui? InVision, bah oui. Le couple InVision... Le couple InVision Sketch qui était en verve. Hein. Sketch qui était à zéro parce qu'ils n'avaient pas mis le prototypage. Et dès le prototypage de Sketch, en fait, il est mort très tôt et je sais pas comment il vivote. Et bien sûr, Figma. Hein. Un peu de Protopy pour les prototypes avancés qui est très sympa aussi. Adobe XD en middle, quoi. Et ouais, l'avantage de Figma, c'est qu'il faisait un peu les 3 grands pans du design d'interface. Design, prototyping et inspector. Le end of. Nous, c'est InVision plus Sketch. Oh, l'ancienne. Ouais, les features de Protopy, c'est intéressant, mais... comment dirais-je? C'est plus pour des trucs avancés. Tu sais, Hugo Berlo, j'ai vu ton message. Je l'ai déjà lu, en plus. Donc, il n'y a pas besoin de l'écrire plusieurs fois. Salut, Neroxent. C'est basé sur combien de users? C'était écrit au début... Un peu plus de 3000, je crois. Un peu plus de 3000 users. Là, t'en as déjà 1000, ouais, c'était entre 2000 et 3000, je crois. Faut aller dans Demographics. Ouais, c'est ça, ouais, 2000, 3000. Entre 2000 et 3000. Ok, après le prototypage, c'est le end-off. Donc le end-off, c'est inspecter le code. Un peu moins de gens qui utilisent le end-off. Figma et Zeppelin, pour le coup. Il y avait un combo Marvel App et Sketch. C'est vrai que Marvel, c'était le concurrent de InVision, j'avoue. Ok, on retrouve un peu la même chose avec Zeppelin qui est juste au-dessus. Zeppelin qui est un outil de end-off qui est pas inintéressant. Mais c'est vrai que quand on a Figma avec tout inclus, c'est vrai que c'est difficile de se motiver. Zeppelin, InVision et Abstract étaient les premiers logiciels dans cette catégorie. Ah ouais. Et ben ils sont plus trop là. Hein. Rose et Royte. Ouais, dur. Coup dur pour Guillaume. Je conseille Figma. Oui, je conseille Figma, oui. Jira pour de l'UI. Attends. What?
Non, pour du end of. En fait, tu peux synchroniser tes maquettes sur Jira et expliquer un petit peu. C'est vrai que c'est bizarre. Hein. Ah oui, alors Waltinzer, c'est clair que si tu veux faire des animations avancées, il y a plein d'autres outils. Hein. Design System, normalement, c'est Sketch le meilleur. Mais Figma fait quelques efforts. Et il va les battre, Sketch. Voilà. Mais Sketch était quand même un peu plus haut. Mais... Oh non. Alors ça, je veux pas. Non, mais attendez, ça, je peux pas l'entendre. Ça devrait pas être aussi close. Sketch, il devrait avoir beaucoup plus d'avance. Parce que Adobe XD, pour les composants, pour les ordonner, pour faire un design system, c'est catastrophique. Sketch, au moins, il est carré. Tu mets dans ta page symbole. Tu symbol organise et tout. Mais Adobe XD pour le design system, c'est... Ouh, c'est sa pire erreur. C'est sa pire faiblesse. Ça fait mal, ouais. Sketch, il a un peu piqué. J'ai même plus Sketch sur mon ordi pour vous dire. On peut pas savoir ce qu'ils ont mis en other, non. Je suis désolé. Story 08, je vous conseille, c'est très cool. Écrire le code direct, Notion, évidemment, ok. Ok, 73% des gens gèrent leur design system avec Figma, putain, c'est ouf. Salut, Ibiza Truck, comment tu vas? Connais-tu un site qui propose des design systems pour Figma gratuit? Non. Alors, Kat, des design systems, ça ne se trouve pas sur Figma. Un design system n'est pas seulement un UI kit. Un design system est un ensemble de règles, de chartes, de composants d'interface et de composants d'interface codés en HTML ou en iPhone ou Android qui sont documentés quelque part. Donc ça n'existe pas des design systems pour Figma, tu vois. Ce qui peut exister, c'est des design systems publics, comme par exemple le design system de Google qui s'appelle material.io, dans lequel tu trouveras tout ce qu'il te faut. Ça, c'est un design system. Tu vois, des guidelines, des composants, des icônes, des couleurs, des infos pour les développeurs. Et parmi les assets d'un design system, tu as un UI kit qui peut se trouver sous forme d'un Figma avec des composants. Donc, ça ne peut pas exister un design system sur Figma, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ils ont posé les balls. Voilà, après, t'en as plein. T'as Spotify, Fluent, il y a vraiment beaucoup. Après, voilà, par contre, tu peux taper UI kit sur Figma, community, tu trouveras beaucoup de trucs. Bon, le versionning, c'était abstract. What? Google Drive, bro? GitHub, good. Google Drive, chelou. Dropbox, OneDrive, Sketch. Bien sûr, maintenant, on peut versionner en Figma, mais Google Drive, bro? Pour versionner des maquettes? Ok. Bizarre. Moi, je trouve ça un peu bizarre, mais ok. Bizarre. Ok, on continue, on va aller plus vite. Hein. User testing. Oh, Zoom, bro. Ah, mais c'est le user testing à l'arrache. Zoom, donc c'est un logiciel. Zoom, c'est un logiciel de visioconférence. Donc, le test utilisateur se fait humainement, en fait. À la main libre, à la mano, sur Zoom ou sur Google Meet. Et le premier vrai outil, c'est Maze, qui permet de faire des prototypes et d'enregistrer les chemins. J'ai déjà vu le proto officiel Spotify. Le proto officiel? Ouais, via l'historique des fichiers, mais c'est bizarre quand même. Comment tu fais pour versionner des maquettes sur GitHub? Je pense que tu déposes, hein. C'est comme un développeur, tu push et tu déposes et tu reprends après. Bizarre, ouais. On peut versionner dans Figma, tout à fait. Tout à fait, tu peux versionner dans Figma. Maze, c'est vraiment cool si vous voulez tester un jour Maze. Zoom, c'est pour le Kali, exactement. En gros, si vous voulez différencier les deux gros user testing qu'on peut faire, le quantitatif, on essaye d'envoyer au maximum de personnes avec des consignes plutôt simples et de l'automatiser. Donc, ils cliquent sur un lien et le site donne des instructions et le site observe les chemins et les enregistre. Et le qualitatif, c'est plutôt toi qui vas passer un quart d'heure, une demi-heure, une heure avec une seule personne et rentrer dans la qualité. Exactement, Fox. Tout à fait. Ok, on va avancer un petit peu sur User Test. Research Repository. Du Notion, très bien. Merci beaucoup, Louat.
Louat. Bienvenue chez nous. Comment vous versionnez sur Figma? Alors, soit tu peux tirer des branches sur Figma avec le Figma Branching, t'as qu'à googler Figma Branching, ou tout simplement tu cliques sur le titre de ton fichier et tu fais Show File History. Tout simplement. Et voilà. C'est terminé, donc le whiteboard c'est Miro, le design, le product design c'est Figma, le prototyping c'est Figma, le end-off c'est Figma, le design system c'est Figma, le versionning c'est Figma, testing c'est Zoom, research, recrutement, user testing, je connais pas ça, et pour faire de la recherche c'est documenté sur Notion. Which tool are you most excited in 2022? Figma, Framer, FigJam, Protopie, Webflow, Adobe XD. Incroyable. Conclusion. Y'a rien. Voilà. Mais j'espère que ça vous a plu de regarder ça ensemble. Pas vraiment de surprise, on va pas se mentir, mais c'était très cool. Et j'aimerais très bien, j'aimerais vraiment être une égérie Figma sans blague. Et sans blague, ils m'ont pas encore, enfin je vais pas dire ils m'ont jamais répondu, mais ils m'ont pas encore répondu. J'ai tendu des perches, je dis bonjour, je suis créateur de contenu, j'utilise votre plateforme tous les jours au travail, tous les soirs je me connecte sur Twitch et je fais le pitre et je parle de Figma à 243 personnes et tout le monde dit Figma, Figma, on fait des petites danses Figma et ils m'ont pas encore répondu. Si, une fois ils m'ont répondu, ils m'ont dit Hi Bastien, thank you for your email, but we do not search European influencer for now, goodbye. Il y a une émote, exactement. En gros, ils m'ont dit qu'ils cherchaient pas de créateurs de contenu européens pour l'instant. Et je pense qu'ils sont un peu sous l'eau de leur succès aussi. Et il y a aussi ce syndrome de, ils ont tellement de succès, pourquoi faire de la pub ou payer des gens pour créer du contenu? Tout, ça se fait tout seul, comme ils ont la, comme ils sont on the top on the right. Tu vois. Mais en vrai, ça va venir. Ça va venir, ça va venir. Comment j'ai réussi à avoir le tir? J'ai déjà répondu plein de fois. Tu regarderas le replay. Ok. Il y a un autre truc que j'aime bien regarder aussi, c'est le petit rewind des emojis. Vous savez, tous les ans, il y a le site Unicode, donc qui est le site officiel des emojis, des caractères Unicode en général, qui fait un petit top des emojis les plus utilisés. Alors, je vais vous faire un petit quiz. On fait un Bastille quiz improvisé, d'accord? Donc là, on passe sur les emojis. Hop. Peut-être que comme tu le fais déjà gratuitement, ils s'en foutent. C'est un peu ça, en vrai. Mais c'est comme Apple, tu vois. Apple, ils payent aucun influenceur. Parce qu'ils sont en mode, bah, on est Apple, tu vois. C'est un peu ça. Et pour leur défense, Sketch, ils m'avaient payé pour faire... Enfin, ils m'avaient fait un partenariat plutôt honnête pour... parce qu'ils avaient vu que je faisais des vidéos. Ils m'avaient mis leur newsletter. Ils m'avaient dit, ça te dirait de... d'avoir Sketch Beta pour tester notre nouvelle feature et tu fais une petite vidéo, tu la prépares en avance et tout, on te rémunère et c'était très réglo. C'est pour ça que ça me fait mal au cœur pour Sketch parce que les interlocuteurs que j'avais vus c'était très très réglo et tout. Ils savaient qu'ils allaient se faire assassiner par Figma. En vrai à l'époque non. Merci beaucoup Xyphos. À l'époque non parce que c'était à l'époque où Sketch a sorti son auto-layout... Vous savez que les boutons ils changent de taille tout seul et j'avais fait une vidéo en mode j'ai eu en avance le build de Sketch, regardez, on tape un bouton, commander, ça grandit tout seul, on était là. What the fuck les amis, le bouton il grandit tout seul, tu vois. Bref. Merci beaucoup pour tes tutos YouTube, merci beaucoup pour ton message à Roll2. Et salut à Xyphos, bienvenue dans le chat. Petit sondage, on passe sur les emojis. Je lance un petit sondage, un petit Bastille quiz improvisé. À votre avis, on va mettre emoji le plus utilisé en 2021. Donc, c'est un rewind, donc l'année précédente. Je vais vous mettre plusieurs propositions. J'espère que vous allez voir les emojis dans le sondage. Est-ce que c'est l'emoji celui-là? Est-ce que c'est l'emoji celui-là? Est-ce que c'est l'emoji celui-là? Est-ce que c'est l'emoji? Je vais en mettre 5. Hein. Je vais essayer de vous brain. Est-ce que c'est l'emoji celui-là?
Merci beaucoup, T-Fog, pour ton 6e mois d'abonnement. Merci, bro. Ah ouais, Diffen a fait un classement d'emoji pour Tinder, c'est drôle ça. Et je vais vous en mettre un dernier. Hop. Alors vous avez voté. Vous avez 3 minutes pour voter. C'est un petit Bastille quiz. Rapidement. Alors bien sûr, si vous êtes spoil l'article il y a quelques jours, c'est pas grave. Donc là, vous avez le sondage qui est apparu en haut du chat Twitch. Donc c'est pas l'emoji que vous préférez, attention. C'est vraiment l'emoji qui a été le plus utilisé selon le site Unicode en 2022. Alors, ça dit quoi ? Ça vote beaucoup pour le smiley mort de rire. Après, on parlera de votre emoji préféré. 2021, bien sûr. Tout à fait, Gilberto. Gilberto, j'ai merdé. La pêche et l'aubergine en first, bien sûr. Toujours. Toujours, toujours. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Ouais, je pense que vous avez la réponse, hein. Je crois que vous avez trouvé la réponse. Il n'y a pas beaucoup de soucis. En effet, je vous le confirme, l'emoji le plus utilisé dans l'année de grâce 2022 est sans aucune surprise. Le visage avec les larmes de joie. Bien sûr, incroyable. Qui est suivi par le cœur rouge. Qui est suivi par le sanglier. Qui est suivi par le visage qui se roule par terre en riant. Alors le pouce vers le haut, je m'y attendais vraiment pas. Cette année a été une blague. C'est tellement spam que c'est pas étonnant, ouais. Le cœur, t'y attendais pas, d'accord. Le visage qui pleure à chaudes larmes, qui est le... En fait, 1 sur 2, c'est du MDR, en fait. Et les mains jointes. Visage qui lance un baiser avec un clin d'œil, le visage souriant avec des cœurs, le visage souriant avec des yeux en forme de cœur, le visage souriant avec des yeux rieurs. À titre de comparaison, les 10 émojis qui étaient les plus populaires l'année d'avant, c'était pareil. MDR cœur. Yeux en cœur, il est descendu de ouf. Il est passé de 3 à 9. Roulage de par terre en riant. Le pouce, il est monté, mais d'une dinguerie, on sait pas pourquoi. Celui-là, full random, il était haut. Et après, on avait les petits cœurs roses, ils sont disparus. Voilà. Voilà, voilà tout ce que je peux vous dire. Une année de rigolade. Ouais, on est MDR, en fait. En fait, on rigole sur les réseaux, mais en vrai, on pleure, quoi. J'utilise les 6 tout le temps. Moi, je vous le dis tout de suite. Celui-là, il faut pas l'utiliser, les amis. Est-ce que les emojis de réaction et les messages rentrent dans le classement? Je pense pas, Mustel. C'est vraiment ceux qui sont tapés en Unicode. Le numéro 3. Il est interdit de l'utiliser. Je le trouve tellement gênant, celui-là, non? Genre... Je sais pas, il est trop... Ça, par contre, ça, c'est bien pour rigoler. Mais ça, c'est bien. Mais ça, non. Ça permet de faire des degrés. Mais celui qui se roule par terre, il est cringe de ouf. Comment ils ont utilisé cette data? Je pense qu'ils utilisent les réseaux publics, en fait. Je crois qu'ils regardent Twitter, tous les réseaux publics, en fait. Tous les messages postés publiquement. Ah non, je déteste le 3. Alors, avant de passer à votre emoji préféré, on va lire un peu l'article rapidement. Le top 10 des emojis utilisés en 2021. Les emojis les plus populaires en 2021 sont assez proches de ceux qui constituaient le classement de 2019. À quelques exceptions près, il n'y avait pas eu de classement en 2020. Unicode indique notamment que les emojis qui sont sortis du top 100 figuraient déjà parmi ceux les plus utilisés dans les années 90. À l'image de la danseuse, de la main ou du trèfle à quatre feuilles. Alors oui, parce qu'il faut savoir que les caractères Unicode, ça n'existe pas seulement depuis les emojis, ça existe depuis la nuit des temps.
Vraiment. Et là, on peut voir la tendance, en fait. La face qui rigole, elle est stable, quoi. Il y a des trucs qui montent, genre comme le party popper, il monte de ouf, quoi. Le pleading face. Quelqu'un l'a mis, le pleading face, et les yeux qui pleurent. Regardez, la montée est insane. Bam! Personne face palming, qui monte pas mal aussi. Grosse dégringolade des deux cœurs, on sait pas pourquoi. Voilà. J'ai vu un emoji, comment dirais-je? Salut Grougrou, comment tu vas? Le Grougrou de métal. Mais le pleading face, il a fait une montée, vous avez vu? Bonsoir Flineria, comment tu vas? Tu as un très beau Shiba. Est-ce que c'est... est-ce que c'est Hachi? Je suis en train de rentrer chez moi, j'espère que j'aurai le temps de Prime. Grougrou contre le Prime, va-t-il rentrer avant la fin du live? Très bien, très bien. Alors, envoyez pas votre top 5 tout de suite, je vais le regarder juste après. Juste avant, je vais vous montrer l'article officiel du site Unicode. Et je vais vous le mettre là. Le top des emojis utilisés en 2021. Alors pourquoi j'ai... En fait, ça c'est le vrai article. J'ai utilisé l'article du modérateur parce que c'était en français, c'est plus sympa pour vous le partager. Mais en vrai, c'est ça le vrai article, mais il est moins bien mis en page. Hop. 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 Je tweete ça, d'accord? Et là, je vais citer le tweet. Et vous, quels sont vos emojis préférés du moment? Voilà, vous allez me répondre à ce tweet. Je vais regarder vos emojis dans quelques instants. On peut voir l'évolution de l'emoji masque. Je pense pas, mais regardez, je vais vous montrer un truc quand même pas trop mal intéressant. C'est ce tableau qui en fait regroupe par catégorie. Vous voyez? Alors ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi le... Est-ce que quelqu'un comprend ce que c'est les numéros là? Est-ce que à gauche, c'est beaucoup utilisé? Oui, c'est ça. Et là, c'est le top 100. Top 100, ok, le top 100, le top 1300. Et on peut les voir par catégorie. Ça, je vais mettre un plus grand. Je sais pas si vous comprenez le graphique, mais en gros, les catégories des visages, ils sont tous dans le top 100. Des visages qui sourient sont tous dans le top 100. C'est marrant, non? La catégorie des émotions, des cœurs, elles sont tous quasiment dans le top 200-300. Voilà, c'est rigolo de voir les catégories comme ça réparties. Par contre, ça bug de ouf. C'est marrant. Et après, là, on peut changer People and Body. Voilà. C'est drôle, hein. Regardez toutes les familles, là. Boum, boum, les familles, elles sont pas top. On voit que c'est les mains les mieux rankées, en fait. Et les personnes gestures, c'est trop drôle. Les activités, les events. Ouais, c'est là, il n'y a pas trop de répartition, c'est un peu aléatoire. Dans les voyages, il y a beaucoup le weather et le sky, en fait. Beaucoup la météo, plus que le reste. Il y a aussi pas mal les moyens de transport là, mais bon, c'est plutôt vers le bas. Hein. Les plantes, c'est surtout les fleurs. Les fleurs et les feuilles. Les animaux, c'est plutôt réparti normalement. Les symboles, c'est réparti très aléatoirement, en vrai. Les objets, plutôt aléatoirement. Les nourritures, plutôt aléatoirement. Les drapeaux, pareil. À part le red flag, bien sûr, et les États-Unis. Et all, c'est le bordel. Mais on aime bien. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc vous pouvez aller checker, il y a plein d'autres data intéressantes dans l'article. Hein. Regardez, ça c'est les progressions. Alors qu'est-ce qu'il voulait voir? La progression du masque. Je sais pas comment je pourrais la trouver, hein, mais... C'est quelqu'un qui m'a demandé ça, masque. Ah voilà, bon c'est nul. Pas ouf, petite progression légère, voilà. Donc je vous ai mis le lien sur mon Twitter pour aller checker ça. Si vous voulez vous intéresser à ça. Et moi je vais aller voir vos emojis préférés sur sur Twitter, bien sûr. Les meilleurs emojis ever, c'est la collection All Smile de chez JoyPixel. Ah oui, là on parle pas des collections, on parle vraiment des emojis Unicode. Salut Hugo MTV, oui t'arrives en retard, on est plutôt sur la fin que sur le début.
Mon top 5 de BC Design. Alors, je vais regarder, je vois pas ceux du chat Twitch, je vais regarder d'abord ceux de Twitter. Les flammes pour les gens de Snapchat. Moi, j'aime bien mettre la flamme en mode ouais, je suis chaud. Ouais. Ok. Alors, je regarde vite fait Twitter. Je vais zoomer. Alors, Melty. Celui qui est un peu. Qui blush. Ah, moi, j'adore. Moi, j'utilise beaucoup. Grimaçant, j'utilise beaucoup. J'utilise beaucoup visage à l'envers aussi, j'avoue. Et non, par contre, celui-là, non. Ensuite, Naomi. Les yeux, j'aime bien. Party Pooper, j'adore. Ça, j'utilise pas trop. La danseuse, ouais, pas mal. Attends, je vais mettre des likes, quand même. Celui-là, ouais, je suis un peu nul. Ça, c'est pas mal. Ok, l'italiano. Mais non, ça s'appelle passement. Regardez, le nom, c'est pincement de doigts italien. C'est vraiment le nom du truc, quoi. Incroyable. Pincement de doigts italien. Ça, j'utilise énormément, ça. Visage souriant avec larmes, j'utilise énormément. Énormément. Yes. Yes. Alors, attendez, regardez. Yes. Et moi, c'est un de mes préférés, celui-là. Ouais, celui-là qui fait le câlin, bof. Bof. Allez, balancez dans le chat vos préférés, vite fait. On va regarder ça. Ouais, visage souriant avec larmes, c'est vraiment une dinguerie, je trouve. Allez, balancez vos préférés, là, votre petite top 3. Oh, il y en a... What the fuck? Il y a deux trucs différents. Non, ça compte pas. Non, non, les emojis Unicode. Les officiels, je veux, moi. Je veux vous balancer vos officiels. Top 5, j'aime rire. Et l'amour. Et j'aime tout court. C'est très classique, hein. Vous êtes tous sur le LOL. Oh, escalade, bien sûr. Moi, c'est eux, bien sûr. Alors, j'ai lu un article qui disait que Bigard allait rentrer dans les prochains emojis 2022, bien sûr. Les clowns. Le masqué, bizarre. Oh, la bouche droite. Le flip table, boom. Ok. Piece of cake. Le design. Oh, putain. Bizarre, il y a des bigards de partout. T'as la main italienne encore, hein. Le visage à l'envers. Ah, toi, tu passes en chat web, t'es en mode rétro, toi. Incroyable. Incroyable. Et en vrai, il est déjà 20h. Donc, on va pas faire les deux derniers articles. Vous allez me dire, on te l'avait dit, Basti, que t'arriverais pas à tout faire. Je sais, mais c'est pas grave. On relive demain soir. Donc, demain soir, on remet le couvert. Les yeux, bien sûr, très bons. Le canard trompe. Alors, ceux-là, Boulinosaur, je sais pas d'où tu les sors, mais ils sont insane. Le gâteau énervé. J'utilise MDR. C'est pas un emoji, MDR. Enfin, c'est pas. Le petit singe, très classique. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'il y ait un emoji jaune qui ait les mains sur la bouche pour pas devoir utiliser le singe, quoi. Sinon, mes préférés sur Twitch. Oh, toi, t'es un fan de... Ah, t'es un fan de Ava. Ava Cringe. Très bien. Rico ! Salut ! Salut les amis, cher Rico. Cher Rico, comment ça va ? Chérico Macias, comment ça va, Chérico? J'ai toujours le canard, incroyable. Pourquoi? Non, j'ai cru que j'avais une réverb. Coucou Nex, Team Canard. Le Rico de Defun. Effectivement, je suis très fan du boulot d'Ava. Ouais, ça a l'air cool, Ava. Let's go! Bon, part un peu en couille, c'est plus du tout à la loutre, bien sûr. Rico avec un petit accent espagnol. On part en coup, il n'est plus du tout sur les emojis. Il est déjà 20h, donc on va passer l'antenne à Popcorn. Est-ce que j'ai d'autres emojis Est-ce que j'ai d'autres emojis sur mon tweet? On va regarder un dernier truc, du coup. Et on va rester dans le thème des emojis. Canard. J'ai reçu canard ici. Canard à utiliser sans modération. Canard. Mais j'ai pas le lore du canard, mais ok. On veut le rewind de Apple. Bon, on le fera demain. Si vous le réclamez. Bon, je peux vous faire le rewind de Apple en vrai.
si vous voulez vraiment, mais ça va être nul. À votre avis, quelle est l'application qui a été le plus téléchargée en France? Allez, c'est parti, c'est le rewind de Apple. À votre avis, quelle application a été téléchargée le plus de fois en France? Exact, c'est tous anti-Covid, bonne réponse. Bonne réponse. Bonne réponse. Mais attention, deuxième question. Merde, je me suis trompé. À votre avis, quelle application a été téléchargée le plus de fois en France en position numéro 2? Position numéro 2. Première position, tous anti-Covid. Deuxième position, Telegram, non. Tinder, non. TikTok, non. Zoom, non. TikTok, non. Tous Covid, bien sûr. Tous contre-vaccin, non. TikTok, non. WhatsApp, bonne réponse de Stan Verju. Pas de chance, crotte de nez. Ok. Bon, voilà, c'est ça la petite news. C'est juste un petit top, donc... C'était pour rester dans le thème des... Comment dirais-je? Le thème des rewind. Les apps les plus téléchargées en France. J'ai un peu moins de plus-value sur cet article, donc c'est pas grave si on l'a pas fait. Bon, au moins, vous avez l'info, vous pouvez vous poser sur le petit article, c'est très sympa. Alors Kat, j'ai bien vu ton message pour le trend design. Ça, c'est un sujet qui me tient extrêmement à cœur. Donc ce sera pour demain. J'aurais vraiment envie de discuter des heures avec vous. Vraiment, vraiment. Ok. France avec une mage, ouais c'est bon j'ai mis. Donc ce sera demain, de toute façon demain on stream. Demain je stream, donc il n'y a pas de souci. Demain je stream quelques temps avec Hardisk. J'ai une news à débattre avec lui. Et ensuite on se quittera, on pourra parler de trend design beaucoup plus tranquillement. Voilà. Il n'y a pas de souci. Non mais t'inquiète. Alors live n'est pas fini les amis parce que... Moi j'ai envie du coup... Plutôt que de changer de sujet et de passer sur les trends de 2022, j'ai envie d'en finir avec ces emojis. Demain 18h. Point d'exclamation, prog et tout et tout. Salut lasagne. Demain 18h, classique. Un débat sur le slip français, exactement. Les amis, on avait regardé il y a 6 mois sur ce live les emojis qui allaient apparaître l'année prochaine. Vous vous souvenez ou pas? Les emojis qui allaient apparaître l'année prochaine. Vous vous souvenez? C'était incroyable. Oh, Grougrou qui va faire une chute en vélo. T'inquiète, Grougrou, je restream demain. Est-ce que vous vous souvenez de ces emojis? On avait vu des prototypes d'emojis qui allaient sortir en 2022. Et en vrai, on avait beaucoup ragé dessus. Et là, ça a été validé. Il y a un post officiel qui a été fait avec les emotes de 2022. Est-ce que vous voulez les voir? Merci beaucoup, Stade Verju. Stan Verju de métal qui offre un Grougrou de métal. Mais du coup Grougrou il pourra plus donner son prime. Merci Stan Verju. 109 100 putain de 9 abonnements offerts sur cette chaîne. Merci Stan Verju, bravo. Alors est-ce que vous vous souvenez des anciens émotes, enfin des émotes qu'on avait vu à mi-année qui a été publié? Eh ouais, j'attends mon prime pour claquer. Let's go les amis, ça fait trop plaisir. Vous vous souvenez de ces émotes? Je vais vous faire un reveal. Est-ce que je peux vous faire un reveal? Ok. Les deux premiers émotes. Voici les deux premiers émotes qui vont être ajoutés en 2022. Qu'est-ce que vous en pensez? Le doigt et le cœur. Le doigt qui pointe et le cœur des mains. Que pensez-vous de ces deux émotes Unicode qui vont être ajoutés? Dites-moi dans le chat ce que vous en pensez. C'est un nom pour Melty, pour les deux. C'est accusateur, un petit peu, ouais. Le doigt pointeur. It's time of apéro. Bisous, small. On compte sur vous. Unicode, bien sûr, bien sûr. J'aime pas le doigt, le cœur très bof. Le doigt s'écrase, je trouve. Le cœur... Moi, j'aime bien le cœur, mais c'est bizarre la forme des poignets, tout ça. Il va bien marcher, c'est intéressant. On pourrait faire des prédictions et regarder dans un an si on a eu bon, quoi. Doigt de métal, bien sûr. Le doigt est cool, ah, tu vois. Comme quoi, ça peut plaire. Je vous en reveal deux autres.
Je vous en reveal deux autres. Voilà le reveal des deux autres. Main vers le bas et main vers le haut. Je les trouve jolies. Je les trouve artistiquement sympas. Main comme ça, main molle vers le bas. Main molle vers le haut. Je sais pas, je les trouve sympas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Merci pour ton clip, Hugo. Tu vas revenir, t'inquiète pas. Inutile, mais je trouve ça sympa. Genre, tu mets la main et tu mets une boule flottante au-dessus. Je sais pas. À quoi ça peut servir ? Bonne question, mais je sais pas. Je les trouve un peu sympas. Comment s'en servir ? Je sais pas. Tu mets sur la tête de quelqu'un comme ça ? Tu peux faire comme ça si tu mets les deux mains comme ça, tu vois ? Je les trouve sympas. Ça va être utile pour la... Ouais, c'est ça. Pour l'aubergine. Pet the... Ouais, pour pet. Alors, je vous montre deux autres. Vous êtes prêts pour le prochain reveal? Alors, il y a une main droite qui serre la main et une autre main droite dans l'autre sens. Donc, on peut coller une poignée de main pour ensuite mettre l'emoji poignée de main et on a les deux mains séparées comme ça. Dégueu! Ah ouais, dégueu! Gênant. Mais non, c'est une main, un emoji comme ça, et l'autre dans l'autre sens. Non, c'est nul. Pourquoi gênant? Ça va, non? À droite, c'est la fessée. Oh, j'avoue. Oh, il y a full la fessée, là. Vous avez l'esprit mal placé, mais vous avez raison. On dirait qu'elles sont tordues, ouais, j'avoue. Genre, c'est... Pour moi, je vois un serrage de main incoming, quoi. Cool, j'aime bien avoir des emojis cohérents entre eux. Fessée. Ah, là, ça va partir. La fessée sur la pêche, quoi. Tu mets l'emoji pêche et tu mets la fessée, ok. Avec la pêche, ok. Et bien sûr, bienvenue dans cette émission, un emoji mal placé. Je refais. Bienvenue dans cette émission, un emoji, une pensée mal placée. Aujourd'hui, la poignée de main qui devient une fessée. Moi, je dirais pour dire que je te mets des claques, ouais, c'est pas mal en fait. Main ferme et main flasque. Un emoji mal placé, bien sûr. Ok, vous en reveal un dernier. Deux derniers encore. Sachez que les... Non, il y en a encore beaucoup, attendez. C'est pas du tout les deux derniers. Alors, reveal. La lèvre qui est mordue. En vrai, pas mal. Encore une fois, c'est sexuel. Bienvenue dans cette émission. Un nouvel emoji mal placé. Donc, il y a le petit cœur comme ça qui est très cool. J'adore ça, moi, perso. Et la lèvre mordue. La lèvre, j'aime bien. Mal placé. Ok, on accélère un petit peu. Vous allez voir les dingues. Alors là, j'ai pas compris. Alors, suite gauche, j'ai compris. Suite droite, j'ai pas compris. Suite gauche, bah, c'est bouche tordue. Donc, en mode pas content, bof, bof, quoi. Par contre, pourquoi il y en a... pourquoi il y a un emoji pointillé, gros? On dirait un cookie, mais... Non, c'est pas un cookie. C'est des pointillés. Mais non, c'est pas un céréal. Mais non, c'est pas un cookie, c'est des pointillés. En vrai, c'est... Non, c'est pas mal fait. C'est juste bizarre. C'est bizarre, non? Mais c'est pas un cookie, c'est clairement des pointillés. Ça veut dire genre... absence, tu vois, ouais. Je suis pas là, ouais. Je disparais, c'est un peu ça, ouais. Bizarre, hein. Gauche, il est bien, ouais. J'accélère pour que vous puissiez aller voir Popcorn, ne vous inquiétez pas, mais restez bien jusqu'à la fin parce que le dernier emoji, restez encore 20 secondes, le dernier emoji, c'est vraiment le pire. Je vous en reveal 3 d'un coup et il en restera plus qu'un et vous verrez, le dernier, c'est le pire. Ok, les trois avant-derniers avant le pire. Gauche, on l'a déjà, non. Suite gauche, il a la bouche droite et pas tordue, Isaline, celui d'avant. Donc, le capitaine, bien sûr. La main sur la bouche. Ah, j'en avais parlé. J'en ai marre d'utiliser le petit singe, j'avais dit. Au moins, il y a un emoji jaune maintenant. Et celui qui cache ses yeux, pas mal aussi. Du coup, en gros, ça remplace les petits singes, quoi. C'est pas mal. Donc ça, c'est cool. Celui de droite, il est trop... Ouais, ils sont pas mal, en vrai, ceux-là. Ouais, ils sont cool. Et le capitaine, il est cool aussi. Genre, quelqu'un, il dit, tu peux aller chercher les courses. Tu lui dis, ouais, j'arrive, gros. Tu dis ouais, j'y vais. Par contre les amis, le dernier les amis.
Vous êtes prêts pour le dernier? Dites-moi go, regardez mon visage est tout jaune grâce au dernier. On y va sur le dernier? Vous êtes sûr, vous êtes prêts? Par contre, ils font des émojis de cul, ouais, j'avoue. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Il s'appelle Melting Face, le visage qui fond. Il est exceptionnel, le décès. Outre l'émoji qui fond comme du cheddar, comme tu dis, les yeux ont l'air si vides. Les yeux ont l'air si vides de sens, quoi. Ils ont l'air... Enfin, je sais pas. Qui décide de nouveau? C'est Unicode. Bah, on va l'utiliser par ironie, je pense, non? On l'utiliserait pas par ironie? Un peu creepy. Il a le regard si vide. Pour une soirée raclette, pas mal. Tu l'avais montré la dernière fois comment l'utiliser. Mais il arrive en 2022. Je vais l'utiliser partout. Smiley de psychopathe. Je suis dans la barbe à merde. Ça peut marcher. Il n'a aucun sens, mais je pense qu'on va bien s'amuser à l'utiliser quand même. Voilà. Donc, en plus, regardez, c'est des vrais caractères Unicode. Donc, ils ont dû faire une décli monochrome. Regardez-moi cette horreur. L'emoji, le caractère Unicode EFAE0. Il est magnifique, bien sûr. Il est tout fondu. Ouais, vous avez tous les autres, bien sûr, qu'on a vu tout à l'heure. Incroyable. Et voilà, donc ils ont été annoncés officiellement. Les voici. Avec bien sûr toutes les mains dans toutes les couleurs. Bref, je vous mets ça aussi sur mon Twitter pour terminer en beauté. Les emojis prévus pour 2022. Hop. Copier l'image. On va pas se mentir, il y a des dingues. J'imagine les réunions pour chercher des nouveaux emojis, ouais. Ok, tac tac tac, je tweet. Bon, j'espère que vous avez kiffé ce petit live, les amis. On va aller faire un petit raid. Hâte de voir la version Microsoft, ouais. Bah, tu sais que sur... allez faire un tour sur ce blog-là, Unicode, etc., machin. Et vous verrez que... comment dirais-je... Il y a tout plein d'infos. Ils annoncent les versions WhatsApp de certains emotes, etc., etc. Vraiment, c'est très cool. Allez, on va aller faire un petit reste. Je vous mets le générique de fin, bien sûr. Pour ceux qui veulent, vous pouvez aller voir le bon popcorn. De notre côté, on va raid... la bonne GOMAR4, merde, GOM4RT pour RPZ le Nord. Voilà, on peut lui envoyer des bons RPZ Lille. Voilà, très cool le live, merci d'avoir suivi ça avec moi. Merci pour tous les subs, les sub gifts, les primes et tous vos follow. On se donne rendez-vous mercredi demain soir pour la même chose à 18h ici. On sera avec Hardisk en vocal pour blablater d'un sujet d'actu, et ensuite on terminera nos petites affaires. On fera peut-être même une petite UI review. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Je vais réparer mon setup. Ciao. Allez, on va dire à Gomard RPZ Lille. Boum. Allez, on va pour le raid RPZ Lille dans le chat de Gomard. Est-ce que j'ai mis 16, moi? Moi aussi, je testais, mais en fait, je viens de découvrir que ta manette, elle change de couleur en fonction des profils et tout. Du coup, j'ai mis la couleur... Ouais, Moi, je suis verte.